Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour ce stream sur les difficiles aventures. Bonsoir tout le monde. Salut Bastien, salut Réré et oui Craft Rowan, bonsoir à toi. Nous sommes en juin mais il fait froid et il va faire encore plus froid ce soir puisque nous sommes sur la montagne et sur les pistes de ski. Salut Marco, coucou Charivari, salut à tous, coucou Malorbe et coucou Tango, coucou Zuki. Bienvenue à vous tous et toutes pour ce stream hivernal. Donc pour ceux qui n'avaient pas forcément vu, j'ai fait un sondage en début d'après-midi sur Discord. Je vous ai proposé de partir sur du terraforming en survie ou sur le design des pistes de ski en créatif. Et c'est le terraforming en survie qui l'a emporté, je dirais, sans trop de grandes surprises. Parce qu'en général, quand je vous propose de la survie ou du créa, en général vous choisissez toujours ou presque la survie. Donc voilà, j'aurais dû m'en douter. Et coucou, il y a Marco qui arrive sur le jeu. Ça fait plaisir du coup Marco de te voir passer sur le jeu. C'est quoi le Discord? Eh bien écoute, point d'exclamation Discord. Alors tiens, pendant que je suis en train de taper une commande, ça me fait penser qu'il y a un petit peu de nouveautés du côté du shop, du côté de la boutique pour les commandes que vous pouvez acheter avec, enfin acheter entre guillemets, hein, avec la fausse monnaie du jeu, monnaie du stream, les diamants. Donc je rappelle, hein, pour ceux qui ne sauraient pas, il y a deux types de monnaie sur le stream. De toute façon, ces deux monnaies sont gagnables simplement par votre présence en stream. Il n'y a absolument besoin de rien payer, il suffit juste d'être là en stream, de regarder les streams sur Twitch. Il suffit donc de regarder les lives et vous allez gagner et des pépites et des diamants. Les pépites, c'est la monnaie de Twitch de base et les diamants, c'est la monnaie que je rajoute avec mon petit programme Wisebot. Et du coup, j'ai changé un peu les commandes qu'on peut acheter avec les diamants. J'ai regroupé en fait toutes les commandes qui sont propres aux difficiles aventures. J'ai mis un petit tag DA et j'ai précisé dans la description sur le shop que c'est exclusif aux difficiles aventures. Alors ça concerne le zone tour, ça concerne Oran à poil, la folie meurtrière et le dieu creeper, je crois que c'est à peu près tout. Et donc ces commandes là maintenant elles sont clairement identifiées comme étant juste sur les difficiles aventures. Ça veut dire que si je stream un autre jeu, Minecraft Dungeons par exemple ou Final Fantasy XV, vous pouvez utiliser ces commandes mais je n'en tiendrai pas compte parce que c'est pas sur les difficiles aventures. Ou même ça m'est arrivé de faire un stream sur Minecraft pour l'apéro time avec Daft, Baa et Keops. Enfin voilà, je ne tiendrai compte de ces commandes là que si on est sur les difficiles aventures. Pour le reste, toutes les autres commandes, je les ai mises dans une catégorie son, et là elles sont libres d'accès même sur les jeux qui sont pas Minecraft, etc. Ça déclenche les sons des mobs et vous avez entendu la nouvelle petite commande. Et salut Obdo. La nouvelle petite commande qui est née hier. Voilà. Ah, ça déclenche pas. Ah, ça fait pas une petite. Ça n'a pas fait une petite emote qui s'est mise à se balader. Oh, c'est dommage. J'aurais bien aimé qu'un petit lama se balade. Et du coup, salut Dany.
Charivari, ça n'aurait rien changé, il y avait vraiment une grosse majorité pour pour la survie par rapport au créa. Et du coup, salut lag, bienvenue, 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 installez-vous. Et du coup, cette commande lama, elle est très rigolote, elle est née hier parce que dans Minecraft Dungeons, on peut invoquer un lama qui nous aide dans l'aventure. Et il faut, quand il meurt, hein, le réinvoquer régulièrement. Et j'oubliais souvent de l'invoquer. Donc on a fait une petite commande pour me le rappeler. Et on a trouvé ça très drôle. Donc du coup, voilà, j'ai rajouté le petit son aujourd'hui. Et voilà. Vous pouvez faire un petit lama. Ça sert à rien. Et oui, il y a la sorcière, il me semble. En tout cas, la commande witch existe, hein. Moi, je peux la faire. Voilà, donc voilà. Donc il y a bien la commande. En tout cas, il y a la commande, elle existe. Alors je sais pas dans le shop, mais voilà. Du coup, ce soir, allez, on bascule en mode jeu. Ce soir, on va s'attaquer à cette portion-là de la montagne. Donc pour vous situer un petit peu, on est le long de la route qui part du barrage hydroélectrique, qui va dans la montagne et qui remonte vers la station de ski. Il y a un col ici à franchir avec un petit pont, la piste de ski passe au-dessus. Je sais pas, il y a un cooldown, mais il est tout léger sur le lama. Ah, 14 000 pépites seulement, Charivari. Courage, courage, courage. Et donc la station de ski sera de ce côté-ci. Mais là, j'avais envie de commencer par le terraforming là, parce que là, il y a un gros chantier là. Donc on va commencer comme d'habitude par mettre des fils de fer, des toiles d'araignée un peu dans tous les sens pour sculpter un peu la forme principale de la montagne. Et après, on comblera ce qu'on aura le temps de combler ce soir. Mais il y a du taf, hein. Il y a beaucoup de taf. Ici, cette zone plate qui reste, elle va rester plate pour l'instant, puisqu'à terme, ici, il y aura un petit village d'été, pour le coup, plutôt vous savez, des chalets à louer, etc. Une sorte de camping un peu, mais plus des chalets à louer. Voilà. Oui, c'est gratuit, le lama. Non, le lama. Ah, le lama, c'est gratuit. T'as raison. Alors, attends, attends, il faut que je change ça. J'avais dit 20 pépites. Voilà, pas... Pour l'instant, le lama, vous allez se spammer. Tant que c'est gratuit. Ouais. Alors, attendez, oui, c'est parce qu'Akalis, il avait créé la commande. Mais moi, j'ai créé le shop, j'ai rajouté le son et j'ai oublié de la mettre payante. Alors. Alors, monnaie virtuelle. Voilà. Voilà. Et ça y est, voilà, ça coûte 20 pépites. Voilà. Déjà, c'est pas cher. D'habitude, c'est 25. Le lama doit rester gratuit, oui ou non. Là 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 là. Alors, il m'embête ton sondage, Malord, parce que je vais pas en tenir compte. Donc, non, non, non. Pas de sondage. Te laisse l'opportunité de changer de sondage si tu veux, alors bah. Et toutes les commandes sont payantes. Non, on est radin, mais oui, mais je sais bien. Hop, bon allez, le thé est prêt. Bon, du coup, vous avez vu pré-release numéro 3. Ça sent bon. Ça sent bon la sortie de la 1.16, je crois que d'ici 15 jours, hein, c'est ce que j'ai lu, je crois. D'ici 15 jours maximum, on devrait avoir la 1.16. Et coucou Mimiche, bonsoir à toi. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Oran doit-il respecter les sondages ou non? Mais non! C'est une dictature ici, une dictature sympathique, mais une dictature quand même. Donc je ne respecterai pas les sondages, donc tu peux choisir un autre sondage. Allez, on passe en mode survival. J'ai de moins en moins de shulkers ici parce qu'en fait, elles sont toutes en train d'être petit à petit utilisées ici pour les matériaux pour le prochain gratte-ciel. Donc voilà, vous savez d'ores et déjà que prochain...
Prochain gros projet, ce sera le gratte-ciel. Du coup, je vais vous mettre le son du jeu. Pouf, paf, pif, paf. Hop, on prend de la stone. J'en ai ramené des quantités astronomiques de chez Ménélas. Il m'en a gentiment fourni. Et merci beaucoup pour le follow, Imbes, bienvenue, ou Imb, je ne sais pas ce qu'il faut dire. Bienvenue à toi sur la chaîne, en tout cas, merci pour ton follow. Ouh là là, et on a des retweets, merci pour les retweets. Alors par contre, le son est vachement fort. Attendez. Faudrait que... merci Mathieu, coucou Mathieu. Merci pour le retweet. Pour le tweet. Donc, voilà, je mets un petit like. Hop, allez, deux shulkers, ça suffira déjà pour la stone. Quand on aura vidé deux shulkers plus l'inventaire, ce sera pas mal déjà. Voilà. Du coup, et coucou Ouroboros. Le gratte-ciel sera fait avant ou après les trois montagnes. Alors en fait, je me suis trompé, Charivari. En fait, il n'y aura pas trois montagnes. Il y en a une ici, une là. Et une là. Donc en vrai, il y en a quatre. J'en avais oublié une ici en fait. Voilà. Le plus gros projet jamais réalisé sur les difficiles aventures. Alors tu veux dire terminé ou en cours? Annie. Bondoir. Qu'est-ce que c'est? Bondoir. What? La montagne au quartier européen est rasée pour de bon. Pas tout à fait fini. Greby, il a énormément bossé. Mais c'est pas tout à fait fini. Et Ménélas est repassé. Il a continué un petit peu. Mais c'est pas fini non plus pour le quartier Amsterdam ici. Alors, je teste le MacBook fermé avec un moniteur. Et ben ça marche super bien. Oh, nice. L'hôpital. Ouais, potentiellement, c'est le projet le plus gros. Sachant qu'il n'a pas encore commencé. On a juste une clinique ici. Mais un jour, il y aura un gros hôpital. C'est pas Marco. Et coucou Super Mathieu. Super Mathieu. Merci à toi encore pour le soutien, Mathieu. Je le dis souvent, mais merci. Non, le plus gros projet, je dirais que c'est l'aéroport, mais il n'est pas terminé. Le plus gros projet fini complètement, hein. Je dirais que c'est la gare, parce que là, pour le coup, elle est complètement finie. Après, il y a le stade qui est pas loin d'être fini aussi, mais il manque les alentours. Alors, Malorb, c'est quoi ton autre sondage? Les sondages sont-ils utiles? Oui ou non? À quel islaman on dit Dieu? Allez, je vais le faire celui-là. Avant qu'on se lance dans le time-lapse. Alors, gérer les sondages. Donc, c'était quoi? Les sondages sont-ils utiles? Nouveau sondage. Non, mais les sondages sont-ils utiles? Oui. Non. À Calice. La main. Vous savez que j'ai presque envie de faire une émoticône avec le lama à côté de l'enclume, quoi. Ça serait tellement bon. Alors, attendez. Alors, on va mettre ça là. Pouf, pif, paf. Pour l'instant, les votes sont partagés, indécis. Je vous mets là au Ranakam. Voilà. Et je vais voir les nouveaux messages. Il va y avoir un tramway dans le quartier européen. Oui, tout à fait. Ici, là, on a commencé déjà à poser les rails, juste là. Et ici, il y aura une liaison avec la partie métro aérien. Et ici, donc, il y aura une gare, en fait. Une station, pas une gare, une station de métro tramway en fait. Et là aussi, ici, il y aura une station de tramway. En fait, je suis en train de me refaire toutes les diffs. J'adore, j'en suis à la deuxième saison. En fait, qu'en penses-tu passer à la cinquième? Ben voilà, Mimich a répondu. Pour l'instant, c'est pas prévu. Bon. Alors, ah oui, il fallait que je récupère. Un peu de bouffe peut-être. Attendez. On va être tranquille. On va récupérer des fusées aussi pour être tranquille. J'ai utilisé quelques pioches. Hein.
Pourquoi j'ai utilisé ces pioches-là? Qu'est-ce que j'ai cassé récemment? Ah oui! J'avais besoin de terracotta pour le gratte-ciel. Le lama non idiot! Il est en train de gagner mort. Mort. On va commencer, on va se mettre ici pour... Paf, pif. J'ai un peu pris la montagne. Salut la vache. Pour commencer un peu cette crête ici, là. Hop. Aïe. Exact. Bon, j'attends la fin du sondage avant de lancer le timelapse. Ah mince, Super Matthew. Bah cool ça. J'espère que ça va vite se résorber. Et coucou Daftgain, mais oui, la vue modérateur, elle est insane. Elle est trop bien. J'ai vu ça aussi sur un autre stream. Bah sur le tien, je crois. Tu m'as vu modérateur, non? En tout cas, c'est trop bien. Alors Bastien, ton bâtiment, il arrive quand? Rappelle-moi lequel est-ce. C'est celui que Marco doit faire dans le quartier européen. Le bâtiment immense. Celui-là. Bon, sans grande surprise, c'est le Lama non d'idiot qui gagne avec 96% des votes quand même. Victoire écrasante. Le Beffroi. Ah, le Beffroi, pardon, excuse-moi, Bastien. Eh ben, j'en ai aucune idée de quand il arrive parce qu'on sait toujours pas exactement où on va le mettre, mais moi je le verrai bien par là. Dans ce petit triangle-là, je pense qu'il aurait toute sa place, mais faut que je vois avec Marco déjà. Et puis, vous allez nous faire plein de Lama. Et il faut qu'on voit avec Menelas si c'est pas trop grand par rapport au quartier Amsterdam. Et sinon, on le mettra ailleurs. Mais un de ces jours, un de ces jours. Et merci beaucoup, Chapier. Alors, Chapier X ou Chapier, je sais pas comment il faut prononcer. Mais en tout cas, merci beaucoup pour ton follow. Bienvenue à toi sur la chaîne. Du coup, ce sondage particulièrement utile. On dit Dieu. Et dans Clos, nous allons pouvoir connecter au Ranakam. Activer le paytime et on va pouvoir se lancer. Alors, voilà, Oranakam, elle était à peu près au bon endroit. Je l'avais déjà positionné parce que je suis un streamer. Comment dire Marco, c'est pas la peine d'essayer de draguer Orana. C'est un streamer particulièrement attentionné vis-à-vis de ses viewers. Moi aussi j'aime bien sur la place en triangle. Ouais non mais je pense qu'il aurait sa place. Allez c'est parti. Donc là je fais une petite ligne de crête. Mais pas trop trop haut. Hop. Et après qu'on va monter un peu vite en fait. Hop. T'attends avec impatience le timelapse de cette montagne. Alors je ne peux que te recommander de la patience, Dany. Parce que ça va être encore loin. J'aimerais vraiment avancer beaucoup sur les pistes en fait. Faire un truc pas fini mais propre. Et ça va prendre un peu de temps. Là je pense qu'ici on peut commencer à monter. Pou, 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 le creeper. Non lag, je reviendrai pas sur ma base du tout début si ce n'est pour peut-être d'autres visites nostalgie. Par contre le seul truc où j'aimerais bien revenir parmi les choses anciennes hein, c'est bon la zone des mini-jeux, pourquoi pas la zone Halloween aussi et elle est où? Elle est où ? La gare abandonnée parce qu'il y a tellement de choses à faire dans un thème victorien abandonné. Mais ça, on en reparlera en 2025. Mais la base abandonnée, pour moi en fait, vraiment quand je joue à Minecraft maintenant, j'ai besoin de me donner des thèmes, de m'imposer un thème tout simplement autour du projet. Et ma base de départ
n'avais pas vraiment à proprement parler de thème au sens où je l'entends aujourd'hui. Donc, non, je ne reviendrai pas dessus. Si ce n'est pour peut-être raser des trucs si on étend trop le projet de Victorien abandonné. Donc là, vous voyez que la montagne, elle va monter. J'ai cru que j'allais tomber. Hop. Paf, pif, pouf. Voilà. Voilà, voilà. Ah oui, moi j'ai pas le playtime. Par contre, je vais peut-être aller dodoter parce que ça va être tendu sinon. Alors, est-ce qu'on va réussir à atteindre? Ouais. Oh là là, j'adore cette. Ah mais j'aurais dû dormir dans le lit en volant quoi. Hop. Ah ouais. Le vieux bruit. Non, fais pas de renard à poil. Yep, yep, yep. Hop. Et coucou Vasco, bienvenue. Bienvenue, bienvenue. Donc là, ouais, ça va monter. Après, c'est vrai qu'on est obligé de faire des montagnes un peu raides, quoi. Parce qu'on manque d'espace, en fait, par là, hein. Clairement. On est un peu serré. J'aime bien le réflexe qu'ont les gens qui arrivent sur mon stream. Ils font un point d'exclamation diamant. Savoir leur richesse. Ouais, je sais pas si ça sert à ça, malheureusement, à la base. Diamant, mais tu l'avais bien fait où il y a un S? Il y a peut-être un S. Et je crois que tu l'avais bien fait, c'est juste que t'étais. Il y avait un cooldown, t'es tombé sur le cooldown. Il va falloir de la stone, on en a de la stone rare, on en a. Ce qui m'inquiète plus, c'est la grâce et la neige. Là je fais quelque chose d'assez plat, ce qui va être un peu gênant. On verra, hein, bien sûr, ça peut changer. Alors là, on me voit pas sur la Oranacam, hein. Mais c'est pas grave. On aurait plus tard. Hop. Voilà, et là, on se raccorde ici. Ok, c'est pas mal. Donc... Je ne manque pas de grâce. Ah là là, joli. Hop. Il va falloir que je regarde pour configurer. Non, je voulais descendre en fait. Tout est sous contrôle. Je voulais descendre. Bien sûr. Merci pour le bâton. Il faudra que je configure, que je regarde ce que Mimich m'avait dit par rapport à l'équivalent d'un stream deck mais sur un téléphone ou éventuellement voir si je peux le mettre sur mon troisième écran et ça pourrait être pas mal pour ouais, faire des trucs un petit peu interactifs avec vous encore plus, très sympa. Youp, youp, youp. Donc là on va avoir une assez grosse falaise quand même. Ah. La musique. J'ai mis un peu plus fort dans mon casque parce qu'elle est trop bien cette musique de Grégoire Lormont. Oui, comme le coup de fouet, mais en mieux. Parce que là, le coup de fouet, il est... Enfin, je... Voilà, comme le coup de fouet, exactement. Attendez. Là, je suis monté un peu trop fort. Ah, j'ai pas ma silk touch. Bon, c'est pas grave, mais...
quel problème tu parles, Super Mathieu? Cette montagne qui n'en finit jamais. Exact. Je sais pas du tout en quelle année on a commencé le barrage. Donc en quelle année on a commencé à se dire ici on va construire une grande montagne. Je ne sais plus. Non, non, pas rip le barrage. On va pas le faire sauter. Non, non, non. N'inquiétez pas. Alors, change d'ambiance au niveau de la musique. On va faire ici. Hop. Musique à la Yoshi. Ouais, c'est vrai, ça fait un peu ça. Barrage, lac, montagne, station de ski. Encore quelque chose. Oh, il y aura d'autres choses plus tard. Mais dans le coin, c'est déjà pas mal. Alors, maintenant. Ici. Ça doit monter aussi. On me voit à peine sur la Orana Cam, quoi. Ah, je suis peut-être monté un poil vite ici, en fait. Pas grave, il y aura une zone un peu plate. Hop, on mettra des arbres comme ça. Ok, donc là, ok. En plus, enfin, ceci dit, là, va falloir que je monte un peu, hein, de toute façon. Où je rejoigne ici, donc. Ouais, il va falloir monter en fait. Et salut Brad, bienvenue à toi. C'est marrant de faire une luge d'été sur la montagne. Alors, au niveau du RP, toute la zone de la station, donc toute cette zone ici, là, sera hivernale, on va dire. Voilà. Et là, on va rejoindre ici, du coup. Un truc comme ça. Hop. Ok. Et du coup, ici, on va faire un truc comme ça. D'accord, super Mathieu. J'espère que ça va pas durer trop longtemps pour toi, parce que ça doit pas être cool. Regardez avec une loupe. Alors, c'est raide.
Red is dead. Merci, merci, Mimi. Aussi. Jean-Michel, j'ai la ref. Tac, tac, tac. Le lama non vidéo. Bakali sera pas là ce soir, mais je suis sûr qu'il va aimer cette commande. On a oublié de faire un truc méga. Méga pointu ici en fait. Ah, regardez, regardez, un lama. Un lama. Et d'ailleurs, oui, il y a plein de lamas ici. Il est juste là. Alors, tout. Dans cet état avec la vision un peu à la Quake Pro là. Hop hop hop. Pas de soucis Mimi, repose-toi bien. Mais en tout cas du coup, je vais te dire ce que j'avais à te dire. Donc je sais pas si t'as vu mon MP du coup sur Discord, j'ai réussi à installer Scribus en 1.5 sur Linux. Et je suis passé par les Flatpak, qui sont des versions facilement installables des différents logiciels Linux et tout, donc c'est ma foi plutôt sympathique. Et au moins là comme ça j'ai le 1.5. Et Scribus c'est un logiciel de PAO, donc publication assistée par ordinateur, et qui peut sur Linux remplacer Publisher, Microsoft Publisher que j'utilise beaucoup. Donc du coup voilà. Ah bah comme tu le sens Michel, à moins que tu veuilles te reposer, hein, c'est comme tu le sens. Mais il n'y a pas de souci, hein. On peut vocal même sans que tu passes sur le stream. Je fais du Non. Purée. Chaud là. Ça va être pentu. Hop. C'est peut-être même limite trop pentu là quand même. On va voir ce que ça donne. Ok Marco, avec plaisir. Très puissant Scribus une fois maîtrisé. Faudrait que je me mette, du coup je pense que je vais l'installer aussi sur mon PC principal. Pour l'instant j'ai énormément de choses qui sont faites sur Publisher et quand je les importe dans Scribus ça les modifie trop pour que ce soit intéressant. Par contre j'ai vu que Scribus... Pas son vocal. Et coucou les copains. Bonsoir. Bonsoir patron. Ouh, tu as une petite voix Marco. Je parle pas trop fort. Oh, oh, tu te la joues ASMR comme moi. Ah. T'es en mode ASMR, ouais c'est ça. Je suis en mode papa. Ouais. Oui, et je disais donc par rapport à Scribus que j'allais essayer de m'y mettre cet été, de faire des choses pour mon boulot. Avec, pour voir un petit peu comment ça fonctionne. Et du coup, Mimi, t'en penses quoi alors des flats
Pack. J'ai pas, je t'avouerai que j'ai pas eu le temps physiquement d'aller voir en fait, pour te dire. Tu n'as pas encore le don d'ubiquité. Non, c'est exactement ça. Bon non, mais en fait, en ce moment, toute la semaine, je suis sur le chantier de l'électricité à mon cousin. Alors, quand t'auras fini chez ton cousin, si tu veux passer chez moi, j'ai du boulot. Honnêtement, ça sera pas pire que chez le cousin. Ah non, c'est juste peut-être un peu plus loin, mais... Ouais, c'est tout, ouais. Mais après, t'as une maison des années qui date des années combien ? 80. Oh, bon, ça va ! Ouais. Chez une cousin, c'est 60... C'est premières années, première partie des années 70. Donc, comment te dire que c'est un peu de bazar ? Plus un ancien propriétaire qui a vécu toute sa vie dedans et qui était un bricoleur du dimanche, pas du bon côté du terme, on va dire. Donc, voilà, quoi. Voilà, Charivari. Regarde, les trois pistes, donc la piste verte, le rouge et la piste noire, la Akalis. Oui. Akalis, ça glisse dans la Akalis. La Akalis, ouais. Voilà. Et bonsoir au futur papa. Oui, du coup, oui, c'est vrai. Oui, oui. Je me disais, mais de qui tu parles. Mais oui, oui, bien sûr. Au chéri de Charivari, ce qui n'est pas facile à dire. Chéri de Charivari, gros, ça va. Ça va encore. Oh, mais fait... Ah, t'étais pas au courant. Bah, non, bah oui, bah, ça fait longtemps que j'ai raté un épisode. Ouais. Bravo. Ouais. On a été les premiers avertis. Est-ce que je vais plutôt dire Twitch chauffe. Bon, Twitch bon chauffe. Courage. Non. ouais, bah je sais pour. Ouais, c'est peut-être. En triple papa averti, je crois que le ouais, bon c'est courage. Ça, ouais. Non, c'est très bien, c'est formidable. Youp. Il faut arrêter de faire flipper les gens. Ils se rendront bien compte eux-mêmes tout seuls, Marco. Bien sûr. On est deux darons qui causent. Ils seront bien assez tôt dans quoi ils s'embarquent. Ah purée, là, ça va être tendu. Ouais, ça va être tendu ou pendu ? Ah, les deux. Les deux. Mon capitaine ? Ouais, et les deux, mon capitaine, exactement. Ou les deux, mon général, c'est ça. Après, c'est pas grave, c'est des falaises, quoi. C'est plus une montagne, c'est une falaise. Après, j'ai vu... je repasse sur la conversation Linux. J'ai vu, du coup, comment accéder à mes fichiers Chrome... mes fichiers Google Drive, etc., directement dans le Chromebook avec la partie Linux, donc ça c'est cool, maintenant je peux tout à fait accéder à tous mes fichiers, donc c'est parfait. Et en fait c'était tout con, hein. En fait c'est juste qu'il fallait aller dans un des dossiers que je voyais déjà depuis le début, mais je savais pas que c'était ça. Parce qu'il faut aller dans un dossier qui s'appelle MNT, alors déjà ça parle pas beaucoup. Et ensuite, MNT, c'est monte en fait. C'est les dossiers qui sont montés en fait. Comme par exemple un deuxième disque dur sur Windows. C'est à ton C2 point qui est de base et puis tu peux en ajouter d'autres. D'accord. Et ben voilà. Donc MNT et puis après ben, c'est Chrome OS et puis tu retrouves tous tes fichiers. Mais si tu veux, quand tu as la liste de tous les fichiers, de tous les dossiers de Linux, le dossier MNT il te parle pas. Ouais, ben, non, mais forcément. Donc voilà. Mais c'est bon maintenant ça. Même, en fait, c'est les disques. Ouais, c'est ça, ouais. Ok. Et puis ça dépend, c'est comme je disais l'autre jour à Oran, ça dépend aussi de l'interface graphique que t'as sous la main, quoi. Oui, c'est vrai. Du coup, petit à petit, l'oiseau fait son nid, donc petit à petit, je vais pouvoir voir un peu tout ce que je peux faire. Après, Wow. C'est vraiment cet été où je m'y mettrai sérieusement à basculer le plus correctement entre les outils Google qui sont très pratiques et puis les outils Linux, que je pourrais utiliser si jamais. Bon, et puis je te dirais l'avantage que d'utiliser du Linux, enfin, tu vois, comme OpenOffice, etc., c'est que tu pourrais les utiliser partout. Yep. OpenOffice. LibreOffice, oui. Alors, en parlant d'Office, j'ai vu un truc qui s'appelle WS Office.
Je sais pas si vous connaissez. Non, je connais Abbey World. Ça me dit rien. Après, si c'est sur Linux. Yep. En fait, c'est surtout sur Windows, sur Linux, sur Mac. Je crois que c'est WS. Faudrait que je vérifie en fait. WPS peut-être, non? Je vais dire ça. Oui, WPS, tu as tout à fait raison, Mimich. Alors, tu vois, c'est le genre de truc, le truc qui te propose un truc premium, de mémoire, de par principe, je fuis. Ok, bah je savais pas qu'il proposait un truc premium, donc c'est bon, j'installe pas. En fait, c'est free, c'est gratuit, mais c'est pas libre. C'est ça. C'est pas open source. Ok, bon, on va comme ça. Voilà. Après, ça veut pas dire que c'est mauvais, hein. C'est juste que c'est trop dans l'esprit. Ouais, c'est ça. De toute façon, ça semblait trop beau pour être honnête. Et donc du coup, Super Mathieu, tu utilises Chrome OS aussi, donc toi t'as un Chromebook aussi. Donc moi j'en ai un depuis mercredi dernier en fait. Donc petit à petit je découvre les spécificités du truc. Et j'avoue que bah, pour l'instant j'aime bien. Et je m'amuse un peu avec la partie... Linux du Chromebook. Ah putain, ça va être chaud ici. Là, je me suis trop. Et Marco, je voyais que tu connais le taverne de connais Scribus, tu utilisais pourquoi? En fait, je m'y suis mis pour réaliser des cartes type. Je crois que j'avais fait. Merde. Quand je me suis marié, j'ai fait le. Ouais, carte de vœux ou des choses comme ça. Ouais, des trucs comme ça, ouais. Et comme à chaque fois dans ces moments-là, quand je fais un truc, j'ai ce besoin de maîtriser l'outil. Et je me suis vraiment mis à fond et c'est super puissant quoi. Ah non mais oui tu peux vraiment bah vraiment en fait Jack il peut être assez déstabilisant au départ parce que t'as l'impression que t'as rien sous la main, que t'as rien par rapport à des logiciels classiques. C'est vrai qu'il est moins intuitif, mais quand tu le maîtrises, il est ultra puissant. Ouais, c'est clair. Et non, une fois que tu m'as pris en main, qu'on t'a expliqué comment ça marchait. Il est pas si bête que ça entre guillemets en termes d'ergonomie. Ouais, faut juste avoir capté le truc du petit panneau à droite là. Ouais, c'est ça, ouais, voilà, du système de propriété en fait, ouais, différents objets. Qui fonctionne par objet, et puis après. Ouais, ce qui est chiant aussi, c'est le fait. Il faut préciser par rapport à quel point tu te situes quand tu veux déplacer un objet. Ouais. Ou savoir où il mais ça peut être. Alors c'est vrai que ça peut paraître bizarre comme ça, mais derrière ça peut te donner plein de possibilités parce que tu peux aligner les objets entre eux en fonction de leur stand, de leur côté, de leur etc. Donc, ça peut être. Puis c'est un bon côté, mais c'est hyper précis quoi. C'est. Ah bah oui non mais. C'est propre quoi. C'est tout ce que tu fais hyper bon. Ça. Et puis tu peux vraiment quand tu rentres dedans, enfin quand tu rentres au sens quand tu vraiment tu commences à l'utiliser de façon entre guillemets semi-pro. Non mais quand tu veux l'utiliser de façon quasiment semi-pro, moi je me suis amusé. C'était aussi un petit défi perso. Ma sœur quand on a passé dans les dernières études qu'elle a fait, une de mes sœurs, elle était en truc de commerce, enfin, par rapport à tout ce qui est nos négociations commerciales, etc. Elle travaillait dans une entreprise qui utilisait un catalogue de produits, mais il y avait je sais pas combien de pages, tu vois, il y avait 250 pages, quoi. Et elle, en fait, elle avait fait une sélection de produits pour pouvoir passer son examen avec une sélection de produits précise, quoi. Et donc, à partir du catalogue habituel dans l'entreprise, je m'étais amusé sous Scribus à refaire un catalogue, mais qui avait les produits qu'elle voulait, en fait, quoi. Ah, d'accord. Et honnêtement, je peux pas forcément distribuer parce que voilà, c'était une utilisation perso, mais
Je pense que si j'envoie les deux d'un côté de l'autre, tu te fais ah ouais quand même. Ouais. Moi ça sera sûrement pour faire des. Que je fais souvent avec Publisher, moi c'est. Enfin je fais des tas de trucs avec Publisher. Mais c'est souvent des jeux de cartes, des choses comme ça pour mes élèves en fait. Parce que pour manier du texte et des images. Ou des cadres ou des choses comme ça, il n'y a rien de mieux en fait qu'un logiciel de PAO en fait. Déjà tout à l'heure j'ai fait quelques petits tests et bon j'ai vu que déjà les raccourcis, enfin la fonction d'utilisation des images n'était pas la même, tu vois, par exemple non, sur Publisher pour redimensionner c'est un clic normal, alors que là sur Scribus pour en fait le clic normal il recadre donc Bon, c'est une petite différence, hein. Faut faire un alt Après en fait, mais en fait c'est que d'abord tu rajoutes des cadres d'image et ensuite dans ces cadres d'image tu importes des images en fait. Donc, logiquement. Ok. Après tu peux peut-être directement importer des images en glisser déposer, j'ai jamais je vais pas finir mais. Après par contre c'est vrai que je crois pas. Je crois qu'il faut forcément utiliser le cadre. Ouais. Peut-être, mais après ça a peut-être été modifié légèrement. Il est sur la dernière version, tu vois. Oui, bah, effectivement, du coup. Dans un point, je sais pas ce que tu utilisais toi, mais dans 1.5, tu vois. Et ben celui que j'ai là. Parce qu'il est aussi disponible sur Windows. Oui. Oui, tout à fait. Sur 1.4.6. Ah oui, d'accord. Donc c'est même pas dans la dernière version. Ouais. En fait, c'est même pas la dernière version que tu considères stable. La non, dernière c'est stable, c'est 1.4.8. 1.4.8, ouais. Mais en fait, là, Aura est en 1.5.5, qui est une version de développement. Mais comme j'expliquais, en fait, les versions de développement, ils ont un rythme de développement qui est tellement lent que même une version, une version de dev est stable, en fait. Enfin, elle est quand même assez stable pour être utilisée au quotidien, quoi. Tu prends pas de risque. Non, c'est ça. C'est bien. Oh, GG Oran. Non, non, mais le lancer d'Ender Pearl, ça me connaît. Hein. Ah, je vois que tu maîtrises. Hein. On avait dit qu'un jour on ferait un parcours de lancer d'Ender Pearl. J'ai jamais fait, mais. Ah, mais tu peux faire des bénis, il faut voir. Là, c'est une bonne idée. Ah là là, ce Terra de. Il est pas simple, là, celui-là. Il plairait pas à Kélis. Et du coup ça m'oblige à varier un peu. C'est pas si mal. Alors hop. Là, je suis pas sûr. J'ai reçu ma webcam en fait. Ah oh. J'ai pris un truc chinois pas cher. C'est 1080p. Mais... L'image est pas fine, mais c'est pas très grave. Surtout les couleurs qui sont un peu bizarres. Oui, bah au pire sur OBS, on met un coup de colorimétrie. Et... Oui, c'est ça. Ouais. Donc, du coup, je pense que je ferai un petit stream de test, je sais pas trop quand. Et je suis en train d'essayer de préparer de quoi faire un stream mardi prochain. Ah, donc, ouais. J'en ai pas fait, il faut que. Voilà. Je m'y remette. Ça me manque. J'avais pas trop la motive ces derniers temps, mais. Ouais, bah, j'ai envie de faire des trucs quand j'ai des idées. Et du coup, là, tu reprendrais la suite de ce que tu avais commencé ou pas? C'est ça, ouais, ce serait le bâtiment parisien, le palace. Parce qu'après, il y a Bastien qui demandait si on savait quand on allait faire son beffroi. Donc je lui ai dit que pas tout de suite, mais. Parce qu'il faut qu'on soit sûr de où on veut le mettre. Yes, exactement, c'est ce que je lui disais. Alors j'avais remontré sur la carte, je sais pas si t'as le retour du stream, Marco. Si. Le triangle, pas loin du rond-point et pas loin de la zone de Ménélas, il rentrerait pile poil au milieu en fait, avec si on imagine des petits jardins autour, ça pourrait être pas mal, je pense. Mais après, faut voir par rapport à sa taille. Si ça ferait pas un peu trop disproportionné par rapport à ce que Ménélas veut faire dans le quartier juste à côté, en fait. Et par rapport à sa hauteur. Voilà, faut juste demander à Ménélas ce qu'il en pense, quoi. Mais à mon avis, cet endroit-là, ça pourrait être pas mal. Avec plaisir. Oui. Et comment t'as fait, Mathieu, pour mettre à jour ton Chromebook? Il se met pas à jour tout seul? Bah tant pis.
là on va être obligé de couper des arbres. Mais laissez-moi. Non mais laissez-moi couper ma forêt. Pendant le confinement, mon neveu qui est en sixième, sixième ou cinquième, je sais plus, une de ses profs a demandé aux élèves de chanter une chanson. Il devait s'enregistrer en chantant une chanson. Donc, avait donné tout un tas de consignes, un logiciel bien précis, etc. Évidemment, mon neveu a un papa qui est musicien, qui est guitariste, qui fait de la musique depuis longtemps, donc... Forcément ça aide. Donc forcément ça aide, mais du coup, il a fait une reprise de la banane. C'était trop bien. Avec ma belle-sœur et mon frère qui font les chœurs, mon frère la guitare... Une petite batterie, petite boîte à rythme pour faire la batterie. Putain, c'était tellement drôle. Du coup, il y a eu les félicitations, forcément, la prof. Même si en fait, il a pas trop respecté les consignes parce qu'il a pas choisi une chanson qui correspondait à l'époque qu'elle avait demandé. Ils ont pas utilisé le logiciel demandé. Il a dit oui, bon, c'est pas grave. Elle était indulgente. Ouais, carrément. Hop. Imagine le gamin sur un des meilleurs morceaux de la classe et puis un prof non 0 sur 20 parce que vous avez pas respecté la conscience. Ah bah des fois c'est un peu ça. Ça... Ouais. J'en ai déjà vu faire ça. Il y a des cruels hein, dans les profs. Ouais, bon, les hors-sujets c'est... Ouais, on va éviter de parler de la polémique par rapport au prof et au coronavirus. Oh non mais je suis pas pourtant encore, enfin, je suis remarqué du camp enseignant, voilà, mais je faisais des bombes dans mon PC quand j'ai. Ouais, je sais pas trop de quoi vous parlez, j'ai juste vu passer un article comme quoi il y a des profs qui avaient rien fait pendant le confinement, c'est ça? En fait, il y aurait eu 5 à 7% je crois de mémoire de décroche de profs décrocheurs entre guillemets. 7%. Je crois que c'est 5 à 7 mais bon, ça va. 5 à 7, c'est pas mal. C'est toujours moins que dans la fonction publique en général. Alors, non. Marco ne joue pas à ce jeu avec moi, attention. Moi, je peux me permettre hein, merde. Qui bosse se sent. Ah, regardez! Un zombie pêcheur. Ah, excellent! Bon, ça, j'aime bien parce que je vais essayer de récupérer sa tête. Ah, c'est un zombie villageois? Ouais, j'ai vu sa tête. Ouais, mais je crois qu'il est quasiment du 100% de drop. Il va mourir. Non, je vais pas mourir, c'est que je vais casser la montagne. Sortez. Ah, tu vas faire fondre. Purée. J'ai cassé la montagne. Bon, ça va. Le mec, il a cassé la montagne. Ah ouais. Mais j'ai eu la tête. Oh. Voilà. C'est vrai qu'il y avait un lama. Je te remercie, Mathieu. J'ai lu ton message, ton long message sur comment faire la mise à jour. Je regarderai ça. Bon, après, moi, j'ai vu mercredi, donc je l'ai mis à jour, mais... Ah, nice. Hop. Niche, les têtes de villageois, elles sont faciles à avoir ou pas? C'est une bonne question. Parce qu'en fait, ça serait bien de faire une usine à villageois pour farmer les têtes de villageois pour, dans certains cas, décorer la ville, en fait. Alors, je t'avouerais que c'était pas dans mes projets, mais il y a un moment, je m'étais dit qu'une fois que les villageois, que tous les villageois seraient bien à leur place, comme j'avais prévu, voilà quoi, pour les trades, je m'étais dit que je ferais tourner les îles pour faire mal les têtes. Alors, ne pas sortir de son contexte et ne pas trop s'identifier aux malheureux villageois. Et coucou Scarjack, qui pourrait potentiellement subir un génocide.
Mais voilà. Et sachant que comme ils prennent une profession, enfin si tu leur donnes une profession, quand tu es transformé en zombie, tu peux aussi farmer la tête de zombie si tu as joué. Je veux dire qu'on leur donnerait un travail pour, avant de les tuer quoi. Ça serait encore ouais, pire. C'est ça. Non, avant de non. Pire quoi. Pire du pire. On leur donne un travail, on les transforme en zombies et après on les tue. Comment on adopte un lama? Il faut de la laine, c'est ça, pour une selle? Tu vas sur adoptelama.com. Le lama, non, d'idiot. Il me fait bien envie, c'est bien. Non, mais on peut pas leur donner des selles. C'est pas des selles, c'est juste des carpettes qu'il faut mettre. On peut pas monter dessus, en fait. On peut les tirer en laisse, mais on peut pas les monter, c'est ça? Il me semble que si, tu peux les monter, parce que... j'ai souvenir de voir... Alors, est-ce que c'est moi qu'on... Je sais plus si j'ai participé, mais de voir des vidéos où tu de justement de délire avec plusieurs personnes sur des lamas avec des... Oui, j'ai bien cru ça, moi j'ai bien cru aussi Charivari. Non. Oran a un sense control à toute épreuve. À toute épreuve, je sais pas, mais hop, alors attendez, parce qu'ici c'est moche ici. On va casser aussi. Voilà, ça va prendre le chemin. Bon. On n'est pas si pire. Alors maintenant. Les arbres là. 366. Dégagé. S'il vous plaît. Bon, allez, toi aussi, on va t'enlever. De toute façon, on refera repousser des arbres. Je pille le. Oui, ça, je savais qu'on pouvait changer la couleur, effectivement. Mais c'est justement avec une carpette, il me semble. On pourrait les adopter, ces pauvres lamas, là. En fait, faut les apprivoiser de la même façon que le joueur, en fait. Alors vas-y, raconte-nous, Mimiche, comment tu apprivoises les joueurs. C'est la fatigue, désolé. Et salut Keops. Il colle des carottes dans le fond. Oh, non, en fait, c'est que je lisais la phrase. Donama peut être apprivoisé et chevauché par le joueur de la même manière que vos cheveux. Et donc, on tire vous à la phrase. Pédale bien, hein, j'ai l'esprit mal placé quand tu dis ça, Mimiche. Ah ouais, non, mais quand je dis que je suis fatigué ce soir, c'est pas... Yep. Mais en fait, c'est et de la fatigue physique et de la fatigue mentale, puisque faut arriver à comprendre comment c'est conçu. Chevaucher un lama, c'est pas simple. Ouais, c'est ça. 66, ça fait 2 tiers. Ça fait 2 livres. Donc en gros, c'est comme un cheval, un lama. Voilà, pour résumer. Donc un cheval, il faut lui monter dessus, puis c'est tout. On lui met une selle et puis on monte dessus, quoi. Petit canasson. Avec rien dans la main. Petit canasson. Attends, je sais pas pourquoi je dis ça, excusez-moi. Moi j'ai envie. C'est la fatigue aussi. Attendez, on va chercher une selle. On va voir ça quelque part. On a failli se manger là. La plateforme a une vitesse. En fait, tu me... Ah, j'ai pas de sel. J'ai que des armures pour chevaux en diamant. Ah. Alors attendez. On va voir mes salles. Où est-ce que j'ai pu foutre des... Et salut The Post. Merci à toi pour le follow. Bienvenue sur la chaîne. J'ai dû foutre ça dans le loot de mob, mais pas ici parce que... Voilà, c'est trop récent. Alors, on va aller en chercher
On va aller en chercher à l'aéroport, je dois en avoir. Il y a une catégorie lama sur le bon coin. Oui, mais c'est pour tout ce qui concerne Serge, les collectionneurs de disques, tout ça. Oh non, mais je valide, je valide. Voilà, moi aussi je valide. Forcément. Oh, vous êtes bon public. C'est fou ça. En même temps, soutien, on fait partie de la même équipe. Voilà, c'est... Je crois qu'il faut, il faut être tolérant. Sinon... Si on commence à s'enfoncer, alors que finalement, voilà, hein. On n'a pas le même maillot, mais on fait le même métier. Avec des temps blancs, c'est bon. Ah non, c'est pas bon. Parce qu'il est en poudre. Ah, alors voilà, j'ai des selles et donc carpet. Donc carpet, j'ai sur place. Allez, je prends deux selles au cas où. C'est ce que je vais faire. Je vais poser le. Ah bah j'en ai pas. J'en ai qu'une. On peut les crafter maintenant les selles? Non. Je sais pas. Toujours pas. Ah, j'en ai qu'une selle alors. Bon, je pensais que j'en avais plus moi. Avec un bloc de... Ah, et on ne saura jamais. Super Mathieu n'a pas fini son message. Non, tu voulais reproduire avec un bloc de paille, mais tu pourras reproduire. Ah oui, mais je peux les reproduire. Un seul, ça me suffit. Hein. Avec du cuir, tu peux les crafter. Mathieu me dit qu'on peut crafter. Ah non, je suis sur mon wiki, je viens de vérifier. Je vais poser un conduit. Aïe. Sous l'eau, c'est toujours aussi mal les élytras dans le. Ah ouais. Bronzer. Merci beaucoup, Zoléré. Zoléré Tintin 780. Merci à toi pour ton follow. Donc j'ai la selle. Et moi, j'utiliserai bien carpet bleu. Je pense qu'ils vont être bien en bleu. Voilà, j'ai un cartographeur. J'aurais dû poser ma tête à l'aéroport, c'est là où j'ai stock. C'est pas grave. Alors, petit lama, viens là. Alors. Ah oui, rien d'autre dans la main, t'as dit. Ouais. Ça marche pas. Mais rien dans ta main où il y a la selle, Oran. Mais enfin, Oran. Attends, j'ai pas compris. Comment je lui mets la selle? Non, justement, c'est vide. Enfin, c'est main vide d'abord. Ok. Et ensuite, tu lui mets la selle. Ah oui, d'accord, ok. Et c'est quand il m'aime que je mets la selle, c'est ça? Ouais. Ah, d'accord. Purée, le mec, il découvre Minecraft, quoi. Quand ça va... Comme je t'aime, et tu me délivreras. Ça y est, oh, allez, j'ai fait un progrès. Meilleurs amis pour la vie. Oh. Ouais, c'est marrant, t'as jamais eu de cheval. Donc en fait, on peut pas lui mettre de sel. On lui met directement un tapis. Ah oui. Mais je peux pas le diriger. Attends. On peut pas le diriger? Non, faut le. En fait, tu peux en faire des. Les tigres à la laisse, mais tu peux pas les diriger. Aïe aïe aïe. Par contre, où ça peut être pratique. Il y a pas de carte. Enfin, où c'était pratique à une époque, c'est que tu pouvais mettre des coffres. Et en fait, tu pouvais faire des caravanes de gamins, en fait. Oui, et tu peux plus? Si, tu peux toujours. Bah, maintenant, avec les chaloupeurs, pour moi. Je suis bien sur mon lama, mais franchement. C'est un peu plus RP, quoi. Ouais. Bon. Bah, voilà. J'avoue que. Voilà. Et coucou la famille, bienvenue à toi. Et bon, il est chouette ce lama.
En plus, il a un A comme lama sur le côté. Donc voilà. Donne-lui un bloc de foin. Bah ouais, mais j'en ai pas là sur moi. Et puis il n'y a rien qui pousse ici au milieu de cette neige. On verra plus tard. Déjà, il est beau avec sa carpette bleue. Voilà. Déjà, il a le style. Et ça, c'est déjà bien. Non, non, tu vas voir, Greg. Je suis en train de lancer mon jeu. Mimich, au début, qu'elle est en mode ouais, non, je vais pas rester, je suis fatigué. Il a été conquis par ma maîtrise du dressage des lamas. Non, en fait, c'est pas que je voulais pas. En fait, c'est que quand j'ai vu qu'Oran était sur la montagne. Sur un lama. À poser du cube. Non, mais c'était à poser des lignes pour faire les pentes dans la montagne. Je me suis dit, non, ce soir, j'ai vraiment pas ma tête à essayer de faire un truc propre. C'est ça que je suis connecté. Et Oran, il s'occupe. Pour s'amuser avec un lama. Il y a des priorités et il y en a d'autres. Donc, par exemple, on aurait été sur les routes de montagne en créa, je serais peut-être venu plus facilement parce que bah, t'as moins de prise de tête. Entre guillemets, franchement, je ne te connaissais pas, Mimich, comme ça. Je pensais que tu refusais jamais une bonne ligne de poudreuse, mais voilà. Mais non, apparemment. Oh, Oran, t'as pas droit. Je propose de faire une nouvelle commande. À chaque fois que quelqu'un fera référence à la drogue, on devra faire 10 minutes de prévention. On est dans la montagne. Moi, je parlais de la neige. Hein. Je sais pas ce que vous avez compris. Ah, bah, j'ai compris la neige. Mais prévention pour les accidents de la vie quotidienne, mettez le casque. C'est ça. Justement. Portez un casque, surtout, ouais. Et salut Minecraft, bienvenue à toi. Et bah à plus Réré, bonne soirée à toi. Moi je veux un slip, s'il vous plaît. Pas comprendre, je veux un slip. Mais ça. Oh, en forme ce soir. Hein. C'est pas. Si c'est vraiment ça. Ah bon, moi j'avais vraiment compris je veux un slip, hein. Je suis désolé, mais. Du coup j'ai. Ah. Et j'ai trouvé ça tout à fait normal. Ça n'a pas. Ça n'a pas choqué. Pas choqué du tout. Oui, ok. Ça pousse. C'était un slip pour le lama en fait, parce que c'est vrai que là il a. Ouais, c'est ça. Ouais. Il a ce. Mais il a pas de slip. Le lama est sans slip. C'est l'hiver. D'ailleurs, c'est quoi qu'on voit à l'arrière là? Il y a les baloches à l'air. Là, ça doit faire super froid. C'est une gerçure, il a des gerçures. N'importe quoi. Bon, je vais peut-être pas aller jusqu'à ce que j'ai en tête. Le lama qui drague un creeper, regardez un peu. Regardez-moi ça. Cette conversation. Le lama. Ah, mais apparemment ça tourne mal parce que le creeper lui tourne le dos. Allez, allez, creeper, fais un effort. Allez. Puis on a les petits bruits de lama qui viennent ponctuer le live. N'importe quoi. Eh bah ben ça avance bien. je l'ai pas fait en live. Hein. Alors, il y a des blagues. Ah, il y a des blagues qui passent par en MP, je suis désolé. Il y a des jokes. Ouais, c'est ça. Je peux pas te renvoyer en MP, Ron, parce que. Tout le monde va me voir. Donc, ça sera un MP, mais ce sera un message public, en fait. C'est ça. C'est ça. Pour de rire. Quelle honte, Mimich. Ouais, Tu m'avais pas habitué à ça. Qui c'est qui a commencé mon histoire, hein? Alors, voilà, moi je vais immédiatement contacter mon avocat, et ça va pas se passer comme ça. Et alors, vous apprécierez la tentative vraiment fine de Super Mathieu, qui voudrait bien nous filer le lien du clip, mais il faut qu'il soit modo d'abord. Bien tenté. C'était bien tenté. C'est lui qui m'a corrigé avec cette technique là. Ah il oui, pas mais sur cette chaîne. Ouh, purée, ça c'est un vrai creeper.
Oh la vache. Ah, rip. Non, non, mais j'ai sauté et il a explosé en même temps. Donc ça va, je serais pas tombé de très très haut, mais ça aurait pu me tuer. Je pense. Et qu'est-ce que je voulais dire? Tu peux le mettre sur le Discord, le clip, y a pas de soucis. Ouais. Non, il ne peut pas le mettre sur Discord. Ah oui, c'est vrai. MP, Tu me l'envoies en MP. Et pourquoi il peut pas le mettre sur Discord? Pose pas la question qui fâche, Marco. Ok. Je ne pose plus de questions. Tu peux me mettre sur un papier les questions qu'il faut pas que je pose? Parce que je connais pas. Je m'en doutais, d'accord. Non mais... Oh bah il me dit, mais voilà. Voilà. Mathieu est banni du Discord. Mathieu, voilà. Il a fait des bêtises. Mais il est en réinsertion, là. Il est en... Comment ça s'appelle? Probation, non quoi. C'est ça, ouais. C'est la probatoire, exact. Il fait la formation comme quand t'as trop bu et t'es pris au volant. Une formation. Ben, on fera des stages peut-être de récupération de points. De points, ouais. Ah ben, je crois qu'on est foutu maintenant. Putain, je vais me faire attaquer par un bébé dronehead. Ah oui, c'est traître. Mais ils font pas mal de bruit donc ça va, tu les entends. Ouais. Ouais, je crois que j'ai pas trop mal négocié la partie un peu relou ici. On va arriver dans une partie un peu plus simple. Merci beaucoup pour le follow. Merci Furious1043, bienvenue à toi sur la chaîne. On est où tous les nombres de followers en fait? Je sais pas combien on a de points de base en lag. Je suis revenu à un vrai nombre, 1226. Et donc voilà, j'ai réussi à virer les bots. D'ailleurs, faudrait que je le dise à Z, parce que je crois qu'il avait dit qu'il avait pas perdu tous ses faux comptes. Ouais. Donc faudrait que je lui dise. En fait, je l'ai fait avec Wisebot, donc lui il l'a aussi, puisqu'il a un bot comme moi. Donc. Et en fait, c'est Orana, comme une grande, comme elle a les pouvoirs de modération, et bien, avec une petite analyse de ma base de followers sur le site Wisebot, et bien, il a été constaté, on savait déjà à savoir qu'il y avait 5000 faux comptes, et du coup, ils ont été ban instantanément par Orana. Pas mal. Et donc, tu te dis, à ce moment-là, pourquoi Twitch ne sait pas le faire automatiquement, quoi, alors que ça a pris vraiment 30 secondes, c'est-à-dire que... Wisebot, il le fait facilement, quoi. Du coup, salut Cabs. T'es pas déjà passé, Cabs, ce soir? Je crois pas. Je me semble pas, mais... Non. D'accord, bah j'ai confondu, alors. Eh ben, en tout cas, bienvenue à toi. Tu fais bien de passer, maintenant. C'est le meilleur moment pour arriver, en fait. Ouais, c'est ça, il est passé hier soir, mais pas aujourd'hui. Ouais, alors t'es en train de dire que je confonds aujourd'hui et hier soir? J'ai rien dit. Si. Bien compris. Ma fille, en ce moment, sa grande question, c'est « Papa, quand est-ce qu'on est demain ?» Je ne sais pas répondre à cette question-là, donc... Ah, tu peux me dire dans quelques heures. Quelques heures après, ça y est, on est demain. Je sais pas. Tu peux me répondre quand tu auras fait un gros dodo, ça peut marcher, tu vois. Ça compte plus en dodo, ouais. Ah. Si, ça peut m'arriver. Oh bah. Ouais, 4 ans. Enfin, un gros dodo, tu vois. Enfin, vraiment dormi, quoi. Ouais, le grand dodo de la nuit. Surtout que tu les couches en ce moment, il fait encore jour. Alors... Bon, ils sont passés pas où la le gros dodo. Ils sont passés où, Mélama, Oran? Ils sont passés où, Mélama? Ouais. Je sais pas où t'es, toi, mais. Ah, ils sont là. Tu es là, je veux dire. Ils sont là, regarde, juste là. Ah oui.
les voyais de l'autre côté, côté piste. Ouais, bah, je voyais pas de ce côté quand même. C'est pas très réaliste mon truc là, ici, avec la falaise et la petite pente de ce côté-ci. On verra quand on rajoutera de la neige, mais on va peut-être... Je sais pas, on va peut-être gérer un peu autrement. On verra. Ah mais quand même. Pourquoi le ciel est bleu? Ah, alors, est-ce que vous voulez vraiment une question technique? C'est une question qui a été posée sur un live du Café des Sciences il n'y a pas très longtemps. C'est une histoire d'absorption. Je crois que c'est la même raison pour laquelle l'océan est bleu. Ou pas. Ouais, c'est ça en fait, c'est qu'il y a une histoire d'absorption de la lumière en fait, en fonction des longueurs d'onde. Moi j'ai un beau gamma rouge. Ouais mais le mien il est plus jaune. Il est bleu. Descends voir ton gamma d'ailleurs Oran. Ça y est, je peux le guider. Il lui a mis la direction assistée. Ouais, tu vas voir. Ah ouais, ah bah super. Et le mien suit vous. Ouais alors ouais, t'as vu qu'il y avait une falaise. Je sais pas où tu nous emmènes là mais. C'est ça qui est marrant, c'est qu'on s'amuse. Faut pas avoir le vertige. Oula, oula. C'est pas des lemmings, hein, c'est des lamas. Lamas, ça passe partout, c'est des 4x4. Hein. Et ouais. Allez, c'est parti. Je te ramène à ton chantier quand même, parce que sinon, il est parti avec ton voiture. Bon, ça va, il y a le lama rouge qui suit aussi. Ah ouais, non, mais je sais. C'est pour ça que je disais qu'on pouvait faire des caravanes. Alors le problème c'est qu'avec les couches de neige, je sais pas évident de monter. Bah voilà, ça y est, on va être perdu au milieu de n'importe où là. Non, c'est qu'il suffit qu'il y ait trop de couches de neige en plus pour que je puisse plus monter. Ouais, là, ça va être chiant ça à faire. Bon, ça vaut pas une bonne paire d'élytra hein, quand même. Hein. Ah non, c'est vrai. Il y a un creeper qui se planque sous la piste rouge. Ah. Le petit cochon. Mais pourquoi ça fait pas de lumière? J'ai la torche dans la main. Remarque là je viens de voir. Hop, je descends du lama, merci Mich. Pour la petite roue. En fait là je viens de voir qu'ici on a une sorte de petite crête. La piste rouge passe à gauche. Et là, on a l'impression un peu que la montagne elle a été un petit peu coupée et que du coup la crête se prolonge ici de l'autre côté. Et c'est pas si mal finalement. Ça peut faire style un peu, c'est quoi, voilà. C'est un peu artificiel. Bon, en vrai, c'est 100% artificiel, mais lumière dynamique. Mais ouais. Ouais, donc en fait, Kedama, c'est comme ça que tu peux faire des caravanes de plusieurs lamas. Mais il me semble que c'était. Je crois que c'est sur Mats que Gin, enfin Zedgin et tout, ils avaient fait une caravane de lamas avec je sais plus combien de lamas. Ils avaient pas fait ça aussi, Alps, tout ça sur Holy Cube avec le. Ça me dit quelque chose. Oui, voilà, mais c'est un classique, entre guillemets, à caravane de lamas. Ouais, bah nous, on l'a jamais fait, alors. C'est parce que nous on cède pas facilement à l'appel de la mode. Enfin, tout le monde, quand les lamas, je sais même pas en quelle version c'est passé, mais tout le monde a fait sa caravane de lama dès qu'il y a eu la version mise à jour. Quoi. Alors que nous, il a fallu qu'on attende 5 ans avant de faire notre caravane de lama. Encore, on commence modeste, on fait une caravane à deux quoi. J'étais tout seul sur mon lama. Justement, je suis en train de chercher
Regardez le contact là, mais je comprends pas. Eh ben exactement, Lynn, bienvenue à toi. Mais oui, on parle de toi. On se disait que tu avais fait des caravanes de lama. Quand je dis que je suis fatigué, on se salue, Lynn. T'as dit quoi? Ah, notre petit mimiche, il est fatigué. Qu'on amène à cet homme un lit. Donc, tu penseras bien au gros dodo ce soir. Mais... Oui. Tu veux que je te lise une histoire, hein, tu te couches? Oui, il était une fois un géant vert doté de grands pouvoirs. Surtout quand il se mettait en colère. Ce qui arrivait très souvent. Un pouvoir qui impliquait une sacrée grande responsabilité. Un jour, il fut envoyé par un de ses copains pas content sur une autre planète. On attend la suite, là, tu peux pas nous laisser sur un tel suspense. Ah oui. Pff, en plus, c'est vraiment pas l'histoire la plus simple à raconter, hein. Moi, j'étais resté sur les basiques. Hein. C'est planète Hulk. Je m'en doutais. Oh, comme t'en avais parlé. Ça continue un peu à lire ou c'est toujours là? Là, je suis sur Immortal Hulk. La suite de planète Hulk, en fait, c'est World War Hulk. En fait, il revient sur Terre et il est pas content. Quand est-ce qu'il est content, ce gars? Non, il est pas. Jamais. Jamais content. Carrément méchant. Ouais, carrément méchant. Mais dans Planète Hulk, oui, il est vraiment particulièrement en colère. Il défonce tout le monde. Mais Immortal Hulk, c'est pas mal. Hein. C'est noir, très sombre. Il y a beaucoup de sang, de violence. En gros, ça se passe plusieurs années après les événements, les derniers événements qui concernent Hulk. Et en fait, il est censé être mort. Enfin, en tout cas, Bruce Banner est censé être mort. Mais en réalité, il ne l'est pas. Sauf qu'il a changé. Et Hulk n'apparaît que la nuit. C'est un vampire. Ouais, en tout cas, c'est une espèce de... Non, c'est un peu bien. Plutôt loup-garou. C'est plutôt loup-garou. Et il est totalement incontrôlable. Encore plus. Et il devient très violent. Et en fait, quand on arrive à tuer Bruce Banner... Dès que vient la nuit, Hulk se réveille quand même et il réanime Bruce. Ce fait qu'il est immortel. Ok. Et du coup, merci beaucoup Pépé Christo pour le follow. Bienvenue à toi sur la chaîne. Et salut Degré Toaster 546. Bienvenue à toi. J'aime bien l'histoire à la gag. Elle est courte, mais... Ah oui, ouais. Je pense qu'il y a beaucoup de creepers qui peuvent s'identifier à ce personnage. Alors, une petite question en parlant de... Enfin, de creepers. De... J'étais à l'usine à neige. Bah, les enfin, dodotés, moi. Tiens, son café. Je vais attendre le aussi. Allez, on tente le dodo. Le dodo en plein vol. Oui, oui, je fais vraiment une montagne. Oui, tout est fait. Le titre n'est pas mensonger. Ouais. Oui, comment que t'es-il arrivé à l'usine à Bonhomme des Neiges? Bah, en fait, je m'apprêtais à te poser la question comment elle fonctionnait exactement, parce que je n'ai jamais fait fonctionner. Donc. Ok, bah, en fait, c'est plus un point de...
farm qu'une vraie usine, hein, parce que ah ouais. y a rien d'automatisé. Oui, il y a Redstone, mais tout le temps, je me suis dit, attends, il y a un nouveau pilier, quoi, qu'il y ait quelque chose. Mais c'est quoi tous ces lamas ici, là? On est envahi par les lamas. Donc ici, t'as des pelles. Le flèche, on n'est pas pris, mais oui, j'ai vu, ça c'est à moi, ça, c'est que je me suis dit. Ah, mais le mec, il s'installe, quoi. Donc ici t'as des pelles, tu peux prendre les 3 pelles à neige, comme ça ça ouais. évite de consommer les tiennes. Oh, bah, j'aurais piqué une, ouais. Tu te mets ici. Ouais. Active le levier. Alors surtout tu fais pas comme moi parce que là moi j'ai une pelle avec Silk Touch donc ça m'a fait des couches de neige. Ah oui donc d'accord. C'est pour ça que j'ai fait des pelles à neige. Prenne. Les pelles à neige elles sont pas Silk Touch. Voilà. Donc vas-y, tu vises une des couches. Non, voilà. Et donc, de temps en temps, tu vas voir que les boules de neige vont un peu s'accumuler sans tomber. Tu vois, là par exemple, arrête de casser de la neige. Tu vois, il y en a des fois qui restent. Donc, quand tu veux vider, un petit coup de levier. Ce qui fait tomber les blocs de neige. Mais des fois, il en reste un peu. Donc, tu viens ici. Bon, là, il n'y en a plus. Et puis, deux fois, tu les prends dans ton inventaire. Et ensuite, je pense qu'avec les coffres qui sont dessous, t'as la capacité de stockage de l'équivalent d'une pelle, voire deux. Enfin, d'accord. T'as plus d'une pelle, je sais pas si tu peux aller jusqu'à deux pelles. Et ensuite, en dessous, t'as tout qui arrive dans les coffres, et puis tu craftes tes... Je tu vois, j'avais des shulkers ici pour commencer à transporter un peu de bloc de neige. Oui, non, je me suis dit, tant qu'à faire d'être connecté, au moins je peux rester kick... Ouais, si tu veux. Ouais. Voilà, donc il faut juste faire attention à pas péter sa pelle, quoi. Et... Ouais, c'est ça. C'est pour ça que j'ai fait des pelles à neige. Bah, tu sais, j'étais venu chez toi d'ailleurs, j'avais emprunté tes PNJ pour faire des pelles à neige. Oui, je sais. Bah, mes PNJ. Bon, c'est pas si mal, là, ce petit côté, là. Là, on en profite tant qu'on est là. Exactement, on va faire à terme une station de ski, tout à fait. Du coup, ça va complètement changer la skyline ici, hein. Et je te permets pas, Gwyn, non mais. Heureux, Charivari, qui a changé de PC. Bien sûr que je présente, mais c'est que je vais jamais utiliser encore l'usine à neige, donc je découvre. Ah, t'as vu qu'au niveau de la redstone, elle est changement de version proof. Hein. Je pense qu'on devrait pas être trop gêné par le passage. Ah quoi, méfie-toi parce que. Méfie-toi. C'est jamais, hein. Il suffit qu'il décide d'un coup d'un seul que la redstone par exemple sur les pistons là, elle ne prend plus en gros faut que ça arrive sur votre bloc et pas au-dessus pour activer le piston ça casse. Non ils n'oseront jamais faire ça. C'est de la redstone que je comprends. Ils vont pas se mettre à casser la redstone que je comprends. A plus Super Mathieu, merci beaucoup d'être passé, à bientôt. Très bientôt. Du coup, Marco, il te manque quoi comme matériau, au fait, pour le bâtiment Il manque pas mal de choses pour l'instant. J'ai surtout farmé tout ce qui est grès. En grès, je dois être pas mal. Là, je suis dans le béton blanc. Mm-hmm. S'il te faut du sable... Pour du verre ou des choses comme ça, tu vois. Il va falloir des vitres, il va falloir 2500 vitres. Alors faut que tu parles en shulker parce que je me rends pas compte. Ouais, je vais te dire c'est en shulker. En shulker. Donc 1,5 shulker de vitres blanches. Si c'est des vitres et pas des blocs de verre, ça va, c'est easy. 0,33 shulker de verre gris, de bloc, du coup. Et puis, c'est tout en verre. En verre, ça va. D'accord. Bah, écoute, à l'usine à béton, il devait rester encore un peu de sable. Et au pire, n'hésite surtout pas à t'en servir, même si t'as besoin de grès, hein, parce que finalement, tu peux être AFK. Ah non, ouais, t'as qu'un compte aussi. Mais si tu veux, moi je m'installe. Ouais, bah j'ai le compte de mon fils, mais je vais pas l'utiliser. Si, tu peux exploiter ton fils. Hein.
Non, mais s'il peut se connecter après, il va faire des conneries, je le connais. Tu te souviens qu'il s'était connecté avec mon compte? Oui, c'est vrai. Ce petit con. Il t'avait tué d'ailleurs. Le mec, ouais. Il a tué son père. Il a perdu tout le monde matos. Ouais. Le complexe de Deep. Ouais. Puis après, il m'a dit, mais non, c'est pas vrai, c'est pas moi. Quel petit menteur. Comme on disait à l'époque, tu pouvais même pas le punir en lui demandant de revenir fermer parce que ça lui aurait fait plaisir. Ouais, c'est clair. Ouais. Puis surtout, il savait pas jouer, donc ça aurait pas été trop efficace. Il savait pas jouer du tout, non, ça j'avais bien vu. C'est ça, maintenant ils savent jouer. Qui m'avait étonné. Venant de toi. C'est ça. Mais il est bourré ou quoi? Mais c'est ça. À 10h du mat en plus. Moi je sais plus, mais. C'est le Blue Man. Après, ça se trouve maintenant, il jouerait mieux que toi quoi. Bon, il se débrouille bien, alors il perd patience rapidement. Ah, ouais, ça. Si jamais il arrive pas à faire ce qu'il veut. Oui, bah. Là, donc, je leur ai fait une partie à deux en local. Et du coup, je leur ai mis. Parce qu'au départ, je les ai laissé jouer, mais sans monstre. Tu vois. Mmh. Histoire de. Voilà, que ce soit safe. Oui, bah, découvrir les mécaniques, tout ça. Déjà, tu peux tuer ce monstre sans monstre. Hein. Il suffit de. Et puis avec le. Je mettais le. Keep Inventory, comme ça, ils étaient sûrs de ne pas perdre de matos. Ah mais oui. Déjà, c'était laborieux. Alors là, j'aurais fait une partie avec monstre. Oh bah. C'était carnage. On se rend plus compte de tout ça. Ouais, c'est clair. Ça a été surtout, il me faut rire parce qu'à chaque fois, ils sont même pas peur, on trouve pas de diamants, j'arrive pas de chercher. Je fais, ah bah attends, fais voir. Je prends la main sur le compte. Ça va partir. Je cherche 3 minutes. Pof. Diamant. Oh, mais comment tu fais? Tu trouvais pas la bonne couche en tête et tout et ça tout. Ça fait trop rire. Mais si, pourtant, je sais pas. Je sais pas comment ils se démerdent. Mais... Ben, pas de chance, peut-être. Après, mais des fois, tu peux être un quart d'heure à miner et pas trouver un diamant. Et puis en 5 minutes, t'en as un qui va miner à côté de toi et t'en trouver 15. Quoi. J'exagère, mais t'arrêtes. Cool. Quand ils ont déjà fait un couloir de 50 blocs de long, il suffit de creuser. Du gobe d'écart et puis pareil. Blocs, c'est ça. Ouais. Tous les deux blocs. Ah, bah oui. Pouf, tu tombes sur un truc. Quoi. Ah, j'arrive à Rine, je ne trouve jamais de diamant non plus. Ouais, j'ai bien fait rire. Ah, il s'est choisi un super pseudo, ça me fait rire. Bah oui, tu nous l'as mis sur Discord, non, il est pas mal. Ouais, en plus, je sais pas d'où il a sorti ça, mais il avait dû y réfléchir à l'avance, tu vois. Il a sorti. Et bienvenue à toi, Gugul09. Merci pour le follow. Donc, c'est la soirée des follows ce soir. Hein. Bah, on est nombreux ce soir, on tourne autour d'une trentaine pour un mercredi soir. Ce jour. On est nombreux. Ouais. Nombreux. Oui, c'est vrai qu'on est plutôt à 30 que samedi d'habitude. Yes, c'est exactement. Ouais. Ouais, c'est pour ça que je passe 4 heures pour le diable, ce karma me fait tomber dans la lave. Ah bah ouais. Mais moi, le pire que j'avais eu pas de chance, c'était quand j'avais fait un. Je sais plus quel défi de survie et j'avais pas trouvé un seul animal à tuer pour avoir de la nourriture quoi. J'avais pas de nourriture. Mais après on m'avait dit que j'aurais pu. Donc j'étais. Enfin. Je sais plus quel était le défi exactement. Je crois que c'était de trouver des diamants, mais avant faut avoir un peu de nourriture. Ouais, mais après on m'avait dit t'aurais pu te nourrir de chair de zombie. Et c'est vrai que. Ouais. Bah ouais, j'y avais pas pensé. T'as des pannes quoi. Mais bon, c'était pas le. T'avais fait le défi gâteau? Tu sais où faut faire un gâteau? Non, j'avais pas dû faire ça parce que je connais pas la recette du gâteau. Bah, c'est ça le défi, justement. Je crois qu'elle est super chiante. Faut des œufs, du lait. Ouais, Des seaux de lait. 3 seaux de lait. Ouais. Du sucre. Des œufs. Des œufs. Hein enfin, du lait. Ah, ou du blé peut-être, ben non. Ouais, du blé plutôt que de la farine, ça existe. Ah, pas. Du blé, oui, bah oui, c'est pour ça, oui. Rajoute des recettes dans Minecraft. Farine, de la pâte brisée. Ah,
Un Minecraft modé, peut-être. Une gousse de vanille. Ouais. Un petit peu de crème pour l'onctuosité. Et un peu de sucre en poudre. Excellent. Bon, en tout cas, je vous ai choisi le meilleur angle de Ranakam qui soit, franchement. Pas du tout. Et je pensais pas construire par là au départ, et puis finalement... On choisit pas le terraforming, c'est terraforming qui choisit. Ouais, c'est ça, ouais. J'arrive à rire, je te dirais bien, j'arrive, tu cherches une part, mais... La maïzena. Ouais, mais ça a l'air bon, ton petit crumble, c'est vrai. Mmh. J'ai une recette de crumble toute simple, toute conne. Elle est très bonne. Faut dire, elle est très sucrée, je pense. Mais un peu de farine, un peu de sucre. Le crumble, c'est pas un peu beurre et sucre Ouais, et voilà, beaucoup de beurre, c'est ça qui manquait, ouais, exact. Et c'est très bon. Par contre, voilà, c'est pas... Pas toujours c'est très recommandé. Bon, c'est, très grave, c'est pas du Queen Yaman. Bah. Mais... Je veux dire, en tant qu'infirmier qui soigne des diabétiques, moi ça me va, hein, les gens qui bouffent trop sucré. Hein. Ça donne du taf. Ah oui, 150 grammes de beurre, 160 grammes de sucre, je ne l'ai pas aimé à ma abricot. Ah bah tu vois, il n'y a pas tant de sucre que ça, il n'y a que 20 grammes de plus que le beurre. Oui. Putain, j'ai Schematica qui a bugué, j'ai deux fois la liste, tu sais, la liste en format hub, intégrée... Ah ouais. Ou alors, est-ce que c'est... Du coup, tu farmes deux fois les quantités de matériel. C'est ça. Non, ah. Je l'ai... Parce que d'habitude, quand tu revenais dans le menu, ça effaçait... Enfin, ça enlevait la liste de hub. Et là, j'ai l'impression... Et donc, je l'ai remis par réflexe. J'ai l'impression que ça l'a remis une deuxième fois. Bizarre. Et du coup, bonne nuit à toi, Aline. Et bon courage pour tes examens. Au début, j'avais cru que c'était des examens... comment dire, des concours quoi, enfin des tests. Ouais. En fait non, c'est juste prise de sang, mais bon courage quand même. T'as bien fait de préciser. Ça dépend de l'infirmier. Et je rajoute plein de bonnes ondes en ce moment, Lynn, parce que j'ai vu passer que c'était pas la joie, donc voilà. Et ben, j'espère que cette petite soirée, ce petit bout de soirée a égayé ta soirée. Ça, c'est pas terrible, mais bon bref. Vous avez saisi l'idée. On fait ce qu'on peut. Bisous Lynn. À bientôt. Bon, décidément, c'est pas la méthode la plus pratique que je viens d'utiliser. Je pense que je vais en retourner à la bonne vieille usine. Du coup, ça neige bien, Mich. Ça neige. Oui. D'ailleurs, en parlant de neige... Oh, ça va, 189 de durabilité encore. Oui, voilà, fais attention. Moi, je m'appelle, elle change d'apparence quand elle est presque morte. Ouais, pas pour moi. Enfin, si, mais pas autant que tienne, quoi. C'est vrai que ton texture pack cassé est pratique pour ça. Bah après, je sais plus qui m'a dit que c'était volontaire en fait, que Aurélien Sama, ça faisait la même chose pour être sûr que vraiment il le voit, mais je suis pas convaincu qu'il aurait laissé un truc comme ça. Non. En fait, tu me vois, en fait, bah, Oran, ça fait vraiment des gros carrés pixels. C'est comme s'il n'y avait pas de texture en fait, donc ça fait la texture derrière. Et merci beaucoup Unicorn Space, waouh. Unicorn Space, nous follow. Merci beaucoup à toi. Voilà, la licorne de l'espace. La licorne de l'espace, ouais. Ah ouais. Alors là, stylé. C'est complètement dingue. Là, il y a Davy Mourier qui a écrit une BD.
C'est une histoire. Alors que je dise pas de bêtises, attends, c'est des chatons qui combattent des licornes. Je sais pas qui c'est cette personne, mais le pitch. Davy Mourier, c'est le deuxième du duo Davy et Poulpe, qui entre autres ont fait avec François Descraques, qui avait fait l'émission. Une émission de sketch qui s'appelait le Golden Show. Et ils ont aussi fait une émission qui s'appelait J'irai loler sur vos tombes. Ils ont pas mal travaillé avec les chaînes comme No Life, ce genre de chaîne. Et donc il a une chaîne YouTube et il fait plein de choses. Il fait de la BD, il fait La Petite Mort. C'est une BD à la base et puis qui a été adaptée en animé, qui est diffusée sur la chaîne YouTube de France 4. D'accord. France TV slash. Ouais. Et il fait plein de trucs, enfin il est génial ce mec-là. Il fait une émission qui s'appelle Bad News, qui est vraiment à mourir de rire. Qui est voilà, l'émission démonétisée par défaut, quoi. C'est tellement c'est trash. Il raconte plein de trucs. Alors soit il y a des news par qui. Enfin, le parti pris, c'est on ne vérifie pas nos sources, tu vois. Donc, le but, c'est de raconter des trucs assez what the fuck, mais bon, peut-être que c'est pas vrai, mais on s'en fout. Oui, tu sais que tu vas pas écouter la vérité, quoi. Non. T'es sur un site d'information de sceptique ou quoi. Voilà. Mais c'est extrêmement drôle, et puis vraiment, David Mourier, trop drôle, ce mec-là. Ça, moi j'avoue, je connais de nom, mais j'ai pas non plus. Sympa, j'arrive à rien au pitch. Un manga apparemment, what the fuck, où il y a un héros en armure qui a sauvé le monde il y a 10 ans. Et bah, depuis, il essaie de reprendre une vie normale, mais il n'y arrive pas. Le blues du héros. Le héros. Ça s'appelle comment? Ah, je sais pas. Il n'y a pas de nom. Oui, Groland. Groland, je crois qu'ils vérifient leurs sources. Hein. C'est sûr. Aucun doute. Ça existe encore, Groland? Oui. Ça existe encore. Je crois que ça passe toujours sur le canal. Bah, et puis je pense que Groland, même si ce n'est plus sur Canal, ça continuera à exister parce que aujourd'hui c'est un vrai. Enfin, je dirais pas que c'est un peu échappé à sa créateur, mais presque quoi. Ouais, après on aurait presque pu dire la même chose avec Guignol et pourtant ça s'est arrêté. Ouais. C'était quand même Guignol, ouais, c'était quand même très clairement Canal Plus quoi. C'était l'émission de Canal Plus, mais c'était pas vraiment l'émission des créateurs. C'est qu'il y avait des créateurs emblématiques derrière, mais c'était une émission de Canal Plus, alors que là, vraiment, Groland, c'est un truc à part dans Canal. Quoi. La preuve, c'est que ça arrive à vivre en dehors de la télé, quoi. Ouais. Ils ont fait des festivals Groland de mémoire, enfin, il y a eu des trucs, entre guillemets, dans la. Pas dans la vraie vie, mais en dehors de la télé qu'on fonctionnait, donc ce qui n'est pas le cas du film, quoi. Après, moi j'avoue, Groland, c'est limite des fois pour moi, tu vois, en termes de côté trash et tout, on atteint les limites de ce que moi personnellement je peux trouver. Je trouve ça très drôle des fois, et puis des fois là, je me dis, pour moi ça va trop loin, quoi, dans le trash, quoi. Avoir en compte que c'est vraiment du second degré, voilà. En fait, il y a des fois, le problème c'est que du troisième degré. Ce que j'aurais à dire, c'est que si ça resterait que du second degré, ça va, il y a des fois, il faut aller chercher le troisième ou le quatrième degré, et c'est là que ça commence cette limite. Donc, la plupart du temps, j'aime bien, mais des fois, c'est pour moi, mais c'est une question de goût, de personnel, quoi. C'est
ça. Et en fait, pour répondre à Charivari et Nag, c'est le président, entre guillemets, justement, qu'on dit Nag du Rogand, donc Roger Salangro, qui est décédé en Italie. Un acteur qui joue. Ouais, c'est ça. Salangro. Ouf. Merci. Non, vaut mieux pas skier du côté de cette montagne, effectivement. Il s'est eu un souci. Mais là, par contre, c'est parfait pour du base jump. Ouais. C'était fini sur une civière. À mon avis, il reste plus grand chose à ramasser sur la civière là. C'est pas pentu là, c'est une pente à 92. À... 90. Oui, c'est une pente à 90 degrés. Ouais, c'est ça, ouais. Comme dirait Calice, quoi. Une pente à 90 degrés. 90%, c'est presque 45 degrés. Non, 90%, c'est... Ouais, je veux non, parce que 100%, tu montes d'un mètre, tu avances d'un mètre. Bah, 45 degrés, c'est 100%. 45 degrés, c'est 100%. Oui, ouais, c'est ça, ouais. T'avances de 100 mètres, tu montes de 100 mètres. Donc ça, ouais. 90%, c'est presque 45 degrés. C'est presque... Tu peux avoir des pentes à plus de 100%, finalement. Voilà, alors que souvent, ouais. Et moi le premier, au début, je pensais que le pourcentage, c'était par rapport à la verticale. Ouais. Ouais. Genre 100%, c'était la verticale, quoi. Mais non. Ouais, c'est vrai que c'est... Et Charivari, on est sur un stream instructif, hein. Pour des choses intéressantes, hein. Moi, j'ai appris comment dompter des lamas. Oui. Bon. Bon. Qui c'est qui fait Jamie, qui c'est qui fait Fred et qui c'est qui fait Martin? Je pense que la question c'est qui fait la petite voix. Moi je vais faire la petite voix. Alors Fred, qu'est-ce que tu nous dis aujourd'hui? Ça fait frère ou pas? Ça le fait pas, merde. Pardon. Tant pis. C'est vrai que si la petite voix s'était appelée la grosse voix, ça t'aurais peut-être dû postuler pour le rôle, alors que la petite voix, ouais. Moins... Le pire, c'est que la petite voix a fait d'autres
enfin, d'autres choses au niveau émission, etc. En même temps ou après, c'est pas sorcier. Mmh. Et pour quelqu'un qui, comme moi, a beaucoup à regarder les émissions, j'arrive pas à me dissocier de en fait, la journaliste, la matrice qui est derrière. Ouais. Donc, j'ai cherché le nom et qui m'y revient pas parce que je l'ai su de la petite voix de C'est pas sorcier. Mais elle a vraiment une. Enfin, en tout cas, dans l'émission C'est pas sorcier, elle a vraiment une voix particulière. Quoi. Mmh. Ouais, non, elle mais a... elle a un timbre de voix en fait. C'est son timbre de voix qui est quand même relativement repérable aussi. Hein. Ah, c'est vraiment une petite voix. En vieillissant, là, la voix qui a un petit peu changé, qui est un peu plus grave. Non, je cherche pas Marco, t'auras pas le rôle. Je peux faire une petite voix comme ça aussi. Mais ça marche pas du tout. Ce qui m'a bluffé, c'est la voix de. Mais je sais pas si vous regardez dans Big Bang Theory, la voix de Bernadette. Mais vous regardez pas. En fait, cette actrice, elle a une, enfin, son personnage a une voix nasillarde au possible. Ouais. Mais et du coup, bon bah il a fallu pour le traducteur, enfin l'interprète, qui trouve aussi quelqu'un qui a une voix comme ça nasillarde. Mais moi, je le regardais en VO de toute façon, donc voilà. Et en fait, c'est une voix que l'actrice a inventée pour le personnage, en fait. Donc au tout début de la série, quand elle s'est mise à interpréter ce rôle, elle n'avait pas tout à fait encore trouvé vraiment la voix qu'elle aura plus tard et qu'après elle a réussi à garder. Mais en fait, après, quand tu l'écoutes en interview, elle a pas du tout la même voix que dans la série. Et tu te dis, mais déjà, ça fait bizarre. Et puis surtout, après, tu te dis qu'il faut quand même pas mal de self-control et tout pour réussir à garder la même voix inventée tout le temps en tant qu'actrice. Oui, surtout dans des situations très différentes, en fait, parce que forcément, elle a été amenée à faire des moments drôles, des moments émouvants, des moments... voilà, et il a fallu qu'elle garde toujours cette voix inventée. Ça n'a pas dû être facile. Et mais c'est vrai qu'on parle souvent de... par rapport au doublage, c'est souvent un truc, ouais, bon, c'est doublé en français, voilà, point, quoi. C'est vraiment bien doublé, il y a un vrai travail derrière. Et surtout, il y a souvent un vrai travail qui est fait dans des conditions très difficiles... souvent de temps, ne serait-ce que le temps, le timing, ils ont à peine le temps de découvrir les répliques. Quoi. Ça arrive qu'ils découvrent en direct. Hein. Alors je vais retrouver ça. Il y a une chaîne YouTube qui est consacrée entre guillemets au doublage et qui est ultra intéressante. J'ai découvert ces vidéos. The Mr. Fox. Merci Marco. De toute façon, ce soir, faut pas demander les noms à Mimich. Hein. Trop fatigué pour ça. Je vais dormir. Non, mais j'aurais retrouvé, mais c'est vrai que c'est une des meilleures. En tout cas, moi, j'avais découvert le doublage et tout le travail derrière grâce à lui. Et c'est vrai que c'est pas. Allez, on tente le sommeil réparateur au sol. Attention, là, on va très très vite. J'ai trop ralenti. Mais j'avais trop peur. Toujours aussi marrant. Toujours aussi drôle. C'est bête, mais c'est toujours aussi drôle. Tiens, on va en profiter pour poser la laine. Hop. Bon, bah du coup, la selle nous aura servi à rien. Ah, c'est moi qui prends les coups, en fait. C'était toi, mais non, c'est moi. Je pensais que c'était toi qui prenais les coups, mais non, c'est moi. Ah, tu te fais attaquer. Ouais, bah enfin, je te guette. Oui, c'est pas water, c'est pas mob-proof la zone. Pourtant, j'ai éclairé un peu, mais pas complètement. Et je me suis déjà fait avoir. Bah, je t'avais dit, un creeper qui a explosé. Mais je crois savoir où ça peut ne pas être mob-proof. Enfin, je pense que c'est plus haut. Oui, c'est plus haut, je pense. Tu vois où il y avait des gamas, là, les deux gamas qui se baladaient au-dessus, en fait, de cette zone-là. Ouais, ouais, ouais. C'est pas. Mais en fait, c'est qu'au départ, je n'avais pas éclairé la zone et je voulais pas l'éclairer. Ouais, bah oui. Comme la zone de montagne globalement est pas très éclairée. Mais farmer dans ces conditions. Pardon. Farmer dans ces conditions, c'est pas toujours l'idéal.
Ah, par contre, c'est nous, ça, on peut mettre les boules de... Ah oui, bah oui, les boules de neige, elles se stackent. Oui, les boules de neige, elles se stackent par 16. Non, mais tu peux pas faire, quand tu veux faire des boules de neige, t'es obligé de... Tu peux en faire que 16 par 16. C'est ce que je veux dire. Yes. Ouais. Tu connais la technique... Moi, j'imagine que tu fais comme ça, tu vas me dire. Je faisais ça sur Bound to Mine. Je remplissais mon inventaire de blocs de neige. Je laissais juste un espace libre dans la barre d'inventaire. Et du coup, après, tu sais, tu utilises la touche qui correspond à cet espace-là. Ah, tu passes oui. ta souris devant la case, je tape sur la touche, je fais tac, 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 tac. Paf. Un clic droit à shifter. Paf, 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 paf. Et c'est, du coup, c'est un peu plus rapide. Oui, bah après, moi j'utilise le bouquin. Et du coup, en fait, tu fous tout. Ah ouais, tu c'est le bouquin. Moi aussi, maintenant, j'utilise le bouquin. Ouais, mais avant, le livre, je faisais ta technique. Ah, mais ça marche Marco, bien. Mais le bouquin, ouais. Ça marche bien. Puis du coup, en fait, ouais, tu fous tout par. Enfin, moi, je fous tout par terre. En général, c'est genre, tu as toutes tes boules de neige dans les blocs, puis tu casses les. Dans les coffres, tu casses les coffres. Tu fous tout par terre. Et puis après, comme ça, tu les ramasses au fur et à mesure. Donc là, Mimich, n'écoute pas ce que dit Marco, ne casse pas mes coffres. Je vais éviter. Parce qu'après, ils vont se retrouver dans les entonnoirs et tout, ça va être l'horreur. Je vais tranquillement me faire ça, pas la mano. Mais ouais, la technique est pas mal, sinon. Ouais. D'ailleurs, on l'avait fait ensemble, cette usine à neige, Marco, je te rappelle, pour les placer les minecarts. Ah, c'est celle-là ? Ouais. Ouais. Pour les minecarts qui sont sur des doubles, sur des 4 ouais, dans l'angle en fait. Ouais, super inspiration là. Et c'est du la coup... technique de Shukashi Seikyo. Et du coup, tu vois, j'ai eu très peur la dernière fois parce que quand je disais qu'il y avait un creeper qui avait explosé, bah il avait pété 2 minecarts. Je me suis dit, oh putain, je vais jamais réussir à les replacer. En fait, si, c'était facile. Comme les rails sont en fait le plus chaud, on avait eu du mal à faire, je crois, c'était les rails. Il me semble, à mettre les 4 rails dans les 4 coins en fait. Mais une fois que t'as les rails bien posés, finalement les wagons sont simples à poser. C'est un peu chiant à faire. Minecraft, hein, la grande histoire d'amour. Hein. Normalement, là, c'est mieux, hein, 1.16. Ils changent les rails. Ils sont. Ils sont pareils, je sais plus trop. Je suis plus trop non plus. Ah oui, il y a encore un truc. Comme, comme c'est des choses qu'on utilise rarement, voire même. Ouais. Bah depuis qu'on a les élytras, les bateaux sur la glace, c'est ouais. Clair que les rails ont perdu de leur utilité. Et pourtant, en termes de. Alors, en termes de déplacement, non, mais en termes de, d'amusement, on va dire, dans Minecraft, il y a tellement moyen de faire des. Ouais. Après, ils avaient changé la mécanique, par exemple, avec les slime blocks, parce que. Corfandar, il avait fait un parcours qui était vraiment fun avec c'était un parcours de minecart avec un certain temps des slime blocks qui faisaient rebondir les minecart et tout, c'était rigolo quoi, tu tombais, tu rebondissais, et tout ça a été cassé parce que alors c'est peut-être toujours possible de le faire, mais en tout cas le parcours en lui-même il faut le changer parce que il fonctionne plus du tout, ils avaient changé, je sais pas à quel niveau, mais ils avaient changé. Et oui, en fait, moi j'ai regardé pas mal des vidéos d'Hypierre hein, sur son serveur Highstone. Il y a des trucs qui sont faits justement avec les minecarts. Ça. Je ne regarde pas du tout, du coup. Ouais. Le serveur Redstone en fait qui est ouvert à ses abonnés Twitch et ben, je peux vous dire qu'il y en a quelques-uns qui ont des super talents quoi. Comme il dit en présentant mon confinement du talent parce que c'était pendant le confinement que ça a été ouvert et il y a certains là j'ai vu une vidéo aujourd'hui là qu'il a publié une grande roue de fête foraine. Visuellement, c'est une grande route faite foraine, et ils ont réussi à intégrer des minecarts, justement, un système avec des rails et des minecarts pour qu'en gros, ton minecart, il fasse retour dans la roue.
de cabine en cabine. Ah ouais. Une carte sur le tour de la roue. Ah oui. Ouais. En fait, avec des scrambox justement qui te propulsent, etc. Et c'est impressionnant parce que non seulement ça fonctionne, mais en plus c'est quasiment invisible de l'extérieur, quoi. J'ai vu un tout petit peu, moi, mais au début, mais après j'étais perdu trop de redstone. Ouais, bah ouais. Et puis ces épisodes, j'ai un peu de mal parce que c'est des rediffs de life montés en fait. Ouais, hein, ça. Parce que du montage, ouais, je dis ça. Et attends, j'ai un peu de mal avec ce format là. Je suis pas à l'aise avec ce format, c'est trop coupé, trop monté pour moi en fait. Mais c'est une question de goût, encore une fois. Hein. Et puis voilà, par contre, oui, ça se voit qu'il y a des gens qui ont du talent. Il y a des gens qui ne lésinent pas sur les cartes. Dans les maps. On avait perdu Mimich, non? On l'a même pas retrouvé, ça se trouve. T'es là, Mimich? Non, c'est que j'ai eu mon Discord à cracher. J'avais pas craché encore. Oui, je disais qu'il y avait aussi des gens qui étaient doués avec les maps. Ouais, non, mais les mecs, alors, je serais curieux de savoir comment ils font. Et ils farment à mort, parce qu'il y a quand même énormément de cartes, quoi. Ils font la même technique que nous pour les feux rouges, pour les panneaux, sauf qu'ils en ont fait très très vite. Et très très... Et après, je pense que... Pas forcément mon truc, mais... En fait, après, les mecs derrière, c'est des équipes, et puis je pense, le coup des maps, je pense qu'il y avait une équipe qui les faisait... Puis en gros, ils se faisaient payer en matériaux, en ressources pour faire autre chose, quoi. Peut-être. Après, sur un Minecraft, sur la nouvelle saison, ils en font beaucoup aussi. Il y a un mec qui édite un journal. Il y a un autre qui a fait des affiches de campagne pour élire le maire du serveur. Oui, non, mais... C'est stylé, hein, c'est très chouette. Bon, après, sur Minecraft, c'est des pros, hein. Alors que sur Hearthstone, c'est pas des pros, mais en fait, tu vois passer les mêmes idées parce que l'élection des maires, ils m'ont fait, tu vois. Oui, bah après, c'est. Il y a une économie. T'as une économie qui s'est mise en place justement à base d'échanges de troc, de je te vends ça contre ça. Oui, ça fait longtemps que sur Minecraft, c'est la base. Mais bon, il n'y a pas. Enfin, je veux dire, c'est de l'inspiration, tout le monde se copie. Enfin, les bonnes idées, il n'y a pas de raison qu'elles soient réservées à un serveur qui les a eues en premier. Ah, quoi, non, mais complètement. Concrètement, en fait, où je trouvais ça sympa, c'est que Hyper, il était même un peu surpris de ce qui se passait, en fait. Je me sens vraiment, par moments, moi j'ai souvenir de voir dans les dernières vidéos qu'il a publiées, là, il est tombé sur... Donc, en fait, il peut... Les gens qui sont sur son serveur peuvent lui laisser des livres ou, via son Discord, envoyer des messages en lui disant, ben voilà, tu peux visiter nos bases avec les coordonnées, voilà. Et en gros, ce qu'il y a à voir, quoi. Et en fait, il part voir une base et le mec, il paraît. En plus, c'est un groupe qui est ensemble. Ils ont tout un espèce d'univers. En gros, c'est une base souterraine parce qu'il y a eu je sais plus quoi. Enfin bref. Et donc là, il y avait des scientifiques. Enfin, entraîner les scientifiques. Alors ils avaient développé un nouveau jeu pour entraîner les scientifiques, quoi. Et le jeu en question, c'est un démineur. Ou démineur Windows, voilà. Mais dans Minecraft. Ah oui, pas mal. Hyper, au niveau redstone, il a quand même un niveau... il est resté, mais littéralement, bouche bée. Et le tout en survie quasi vanilla. Le tout en survie, c'est ça, quoi. Et parce que c'est pas vanilla, en fait, juste au niveau du farm des ressources. Par contre, au niveau des mécaniques, c'est de la survie pure. C'est ça. Mais je pense qu'il a réellement halluciné, quoi. Bon, après, ça va lui donner plein d'idées pour son LP. Non, mais c'est ça. Pour la prochaine saison. C'est ça. Lui, il comprend ce qu'il y a derrière. C'est ça aussi, quoi. C'est que lui, il va réussir à analyser. Donc, c'est ça aussi. Quand il dit que Redstone, waouh, purée, j'ai jamais vu ça, c'est qu'il a réellement. C'est sûr qu'il y a. De toute façon, ça prouve bien aussi qu'il y a des gens qui ont du talent sur Minecraft, même s'ils sont pas les gens les plus visibles. Ouais, c'est ça, mais le démineur, moi j'ai chopé une personne qui m'a fait à proposer un monde de vraiment flat map avec le démineur pour voir comment c'était foutu. Moi je l'ai chopé.
J'ai un niveau de redstone qui est pas nul, mais qui est pas non plus topissime. Je comprends, il y a des trucs que j'arrive pas à comprendre. C'est tellement compact. En fait, où c'est impressionnant, c'est que c'est ultra compacté, en fait. C'est ce que j'allais te demander, c'est basé sur quoi? C'est observeur, en fait. Observeur, ouais. De toute façon, les observeurs depuis qu'ils ont introduit ça, c'est partout dans Redstone. Tout fonctionne à base d'observeurs. Mais en fait, en même temps, c'est immense. Ouais, mais Nak, en fait, enfin, a priori, t'as mis un mode mineur, tu l'as fait comme moi, tu m'as vu. Non, en fait, pas vu. C'est en même temps. Non, mais Nak. Ah pardon, Nak. Je comprends pas, voilà. Qui dit en même temps, c'est immense. Ouais, mais c'est immense, ok. Mais par rapport à ce que c'est petit. Donc c'est ça en fait qu'il faut se dire. En fait, en gros, chaque case du démineur, c'est un 3x3 de lampe de redstone. Donc quand tu dis ça, ça fait énorme quoi. Il y a une taille de démineur style démineur Windows, comme tu dis. Ouais, c'est ça, voilà. Sauf ouais, que... C'est ouais, c'est grand. En taille, c'est grand. Mais la redstone, elle est pas forcément plus grande. Que en termes de hauteur et de largeur, elle n'est pas forcément plus grande que mon affichage en fait. D'accord. C'est juste plus profond quoi. C'est. Enfin voilà, c'est. Ah, flûte. Enfin, voilà, il y a des trucs. C'est mieux. Où c'est sympa aussi que le serveur, c'est que tu tombes sur. Enfin, tu vois des trucs comme ça, redstone, pure redstone hallucinant. Et tu vois aussi des trucs où c'est des bases de joueurs, mais où la redstone est vraiment dédiée à la survie, tu vois. Et vraiment intégrée, un peu comme je fais, tu vois. C'est vraiment. Et voire même mieux intégrée que ce que je fais moi, tu vois. Je suis pas d'accord, Mimi, je t'en assure. Ton ascenseur, il a rien à voir avec la survie. C'est juste pour faire jouer. Oui, voilà. Non, mais les ascenseurs, alors attends, les ascenseurs sur Highstone, c'est un gag pour finir. Oui, en gros, si t'as pas un ascenseur, si t'as pas d'ascenseur dans ta base, t'as pas réussi ta base. Et il y a là qui fait une excellente remarque, même sur les télescopes, il y a des observeurs. Oui, j'avais pas mais heureusement qu'il y a des observeurs sur les télescopes, sinon comment je vais me regarder quelque chose? Tout à fait, c'est logique. Logique implacable. Mais il y a des mobs de partout. Mais la redstone, quand tu maîtrises un peu, il suffit d'avoir des connaissances, des bases de connaissances d'électronique ou de logique informatique, et tu peux faire des choses outre. J'ai l'impression que dans la logique, c'est quand même vraiment à cheval entre l'électronique et l'informatique. Parce que des fois, tu raisonnes en fait, plus en termes d'informatique, en termes de 0 et de 1, j'ai l'impression, hein, de stockage de données, d'état. Ouais. Et puis des fois, tu es vraiment plus sur un circuit vraiment électronique. Ouais, c'est ça. Bah, en fait, tu peux. En fait, quand je dis logique, en fait, c'est de la logique. C'est ce qu'on appelle de la logique booléenne, en fait. C'est des portes et, les portes ou. C'est les bases de l'informatique, en fait. Ouais, c'est ça, en fait. Et nous avons un wololo, wololo. Et donc, on va se construire un dieu creeper dans une zone envahie par les mobs. Je vais aller chercher des matériaux. Sa mère. Donc, un dieu creeper de lag. D'ailleurs, oui, comme je disais, le fameux dieu creeper, enfin le fameux WoW, en fait, depuis que tu as utilisé ça, Microsoft a racheté Mojang, c'est vraiment le vrai WoW de World of Warcraft. Ah, je parle du nom du jeu. Age of Empire. De Age of Empire. Ils ont pu intégrer le son original. Alors qu'au départ, c'était juste un easter egg transformé. Ah, ouais, c'est ça, ouais. Okay. En fait, c'est un easter egg, et donc d'ailleurs, c'est pour ça que un easter egg, enfin, il y a un petit easter egg d'ailleurs sur les évoqueurs aussi, qui fait référence à Age of Empire. C'est que si t'as un évoqueur qui croise un mouton rouge, ou un mouton bleu, je sais plus, il va transformer en rouge.
Le rouge et le bleu de Edge of Empire. Exactement. Effectivement. Alors, ah ouais, on avait de la cobble, on aurait pu faire son cobble. Allez, on va prendre de la laine, tiens. On a tendu les moutons. Au fil et la laine, nous. Vous voyez de quoi je parle. En fait, j'ai très bien vu, mais j'ai pas relevé. À mon avis, lag, il est trop jeune pour savoir ça. Alors moi, je propose qu'on le fasse là, le dieu creeper, juste là. Sur ces arbres qui ne verront plus jamais la lumière une fois que la montagne sera au-dessus d'eux. T'es chanteur de Epiville ou pas, Orange, j'ai un doute. Il y en avait deux qui étaient... Il y en avait une qui était remplie et une qui était à moitié remplie. D'accord. Ah oui, c'est peut-être celles qui sont en bas. Ah oui, zut. Bon, bah, je pense que je vais te faire équivalent de... Je vais te faire équivalent d'une chanteur de boule de neige. Eh ben, merci. Ça sera utilisé. Ah là là, on a oublié un bloc dans le... Go, go, go. Ah là là. Yes. Et voilà. Ça, c'est des dieux creepers qui vont rester. C'est marrant, c'est souvent ça finit par être ta marque de fabrique, Stone et Sion. Bah, en fait, j'aime beaucoup le Sion. Bon, on a un peu bossé quand même sur cette partie-là de la montagne. Oula, c'était quoi ce bruit? On a un micro à Marco. Pardon, ouais. Écoute, j'étais calé dans le fond de mon siège. Et tu t'es cassé la gueule. Non, en fait, c'est parce que je suis en train de farmer. Et donc, du coup, je m'étais calé dans le fond de mon siège parce que j'en avais marre de de cliquer sur les touches. Sauf que... Merde. Sauf que du coup, tu sais, j'avais bloqué les touches du clavier pour que ça ferme tout seul. En mode feignant. Qu'est-ce que ça fait d'ailleurs? C'est bien ce que ça a fait. Je casse un peu l'arête ici, mais ça fait un peu après escalier. Bon. Tant pis. Bon. J'ai à moitié tout pété. Ça fonctionne toujours. Ok. Bon. C'est tellement grand. En même temps, ce soir, t'étais. Ce soir, t'étais où, ça va? Ouais, non, mais c'est surtout que. Tu vois, la partie qu'on a faite. C'était quand? C'était samedi. On était dans la partie déjà un peu station de ski. Donc, on partait pas très bas, ouais. Finalement. Alors que là. Il y a des endroits où il faut que je parte de la couche, quoi. Moins de 100. Ouais, bah ouais. Et je suis monté quasiment au sommet, quoi. Ouais, bah oui, et encore pas tout à fait au sommet. Mais du coup, c'est un sacré dénivelé. Ah, bah, je suis pas une qui voulait faire une montagne à cet endroit-là. Hein, Attends, t'as pas... Chelou, hein. t'as pas été voir en créatif mes essais pour les nouvelles pistes? Ah. Voilà, j'ai bien aimé le A. Ah, un petit peu inquiet. En fait, c'est mi-inquiet, mi... enthousiaste. Mi-miche, quoi. Non, je commence à connaître Oran, hein. Non, mais ça mérite un petit badoumts, parce que même Mimich il a pas compris le... Ouais. Ah. Ok, bon, bah, ouais. Ah. Oh.
Il est fatigué, c'est pour ça. Ça commence à être un peu facile, l'excuse de « il est fatigué », moi, je trouve. Hein. J'ai trouvé que ça. Tac. Allez, est-ce que je vais pouvoir tout mettre oui. Non, lag. On n'ira pas voir les futures pistes. Pour deux raisons. La première raison, c'est que ça va encore bouger, en fait. J'ai un petit peu bossé dessus cet après-midi. Je suis pas tout à fait satisfait, donc ça va changer. Puis la deuxième raison, c'est qu'il fallait voter créatif. Vous avez voté pour la survie. Moi, j'avais proposé créatif. Voilà. J'aurais voté créatif, je serais en vrai avec Warren ce soir. Je me suis dit, mais... Bien qui est Minish, voilà. Bon, je crois qu'à chaque tour de bloc de neige, on va repartir avec moi, Oran. Hein. Pourquoi ? Tu pourrais te traiter comme ça. C'est pas moi, c'est Marco. C'est Marco. Oh. Ah, c'est toi l'auteur de ce jeu de mots. Qui c'est qui valide et qui m'encourage hein. Alors moi je valide pas, j'ai juste fait un badoum. Et... Arrêtez d'encourager Marco à faire des jeux de mots pourris. Je plutôt. Ah oui, mince, il faudrait que je débloque. Parce que je crois qu'on arrivera à se faire un concours, il y a les fois Marco. Hein. Ah oui, voilà, putain. Quand on est en forme tous les deux, ça peut aller loin. Hein. Ça va même trop loin, des fois. Ah, ça va. Je vous demande de vous arrêter. Ça va, je suis m'arrêté à temps tout à l'heure. Demande à Marco. Vous me direz ça à la fin du live, quand j'aurai coupé le son. Putain, là-dessus, j'avoue que tu m'impressionnes parce que moi, ce serait sorti tout seul. Ah non, ça va. Je sais où est la limite en fait. Le self-control. Tiens, je vais prendre de la pierre taillée. Parce qu'en fait, ils tombent les blocs, mais il faut absolument que je bloquer les paroles. Non, me dis pas que tu fais un jeu de mots avec un jeu de télé. On est sur du pas terrible, là, je le connais. Alors, tu parles de quoi, de pas terrible, de jeu de mots ou de jeu de télé? Les deux. Pas après, bon. C'est Nagui, moi, qui m'agace. Nagui m'agace pas. Ah oui. Voilà. Ah ouais. Je dirais on non, je crains pas. Moi. Moi je regarde plus. Tout le monde veut prendre sa place le midi. Quand je peux. Oh non, j'ai posé un bloc sur la source de feu. Et merci beaucoup, Léaz, pour ton follow. Putain, je me chie. Qu'elle voulait. Qu'est-ce que t'as fait? J'ai pas compris. Le convertisseur de béton. Il oui. Y a une source d'eau et j'ai posé un bloc dessus. Il n'y a plus de source d'eau. Trop chiant. Ça marche moins bien. Je trouve un seau. Ah, ça marche plus du tout. Même. Et où là? Je suis dans ta cache d'écureuil à côté de l'hôpital, enfin à côté des cliniques. Ah ouais, d'accord. Bon, ça va, tu n'auras pas trop de mal à trouver de l'eau. Ça va. Bon allez, 23h23, une bonne heure pour s'arrêter je pense, et être raisonnable pour un mercredi soir. Bon, on a pas mal avancé de ce côté-ci, il nous reste juste tout ça à faire.
truc qui est juste légèrement démesuré. On le dira jamais trop, hein, mais Oran a vraiment besoin de compenser ça. Il me dirait je ne sais pas quoi, mais. Mais Rudaft. Rudaft. Comme Oxé. Comme disent nos amis bretons. Ils disent ça ? Comme Oxé ? Comme Oxé, ouais. Ouais. Pour dire comment ça ? Ah, c'est ça. Okay, je confirme. Comme ces gens d'Est, je crois qu'ils disent « c'est quelle heure ». Ils disent pas quelle heure il est, ils disent « c'est quelle heure ». C'est quelle heure. Ah non, mais t'as plein de... T'as plein d'expressions comme ça qui sont vraiment rigolos. C'est assez rigolo. Ouais. Et où ça fait bizarre, c'est qu'on a une expression. Quoi. Tu sais régional, tu m'entends dans la bouche de quelqu'un qui est même pas français, au sens français métropolitain, en fait. Quoi. Là, ça... Ah, rigolo, ouais. Ah bah Oran, tu fais peut-être comme je vais dire comme nous, parce que Marco je pense qu'il fait comme moi, tu barres ta porte ou pas? Non. Non, je ferme ma porte, je barre pas ma porte. Ah, tu vas faire ma clé, mais tu connais l'expression quoi. Ah non. Non. Ça va pas, mais voilà. Donc c'est vraiment quand même plus. Eh ben je l'ai entendu moi cette expression là, donc barrer la porte dans le sens fermer la clé, la porte à clé ou fermer une porte au sens voilà, c'est une porte de voiture. Voilà, ben, Charlie Marie barre sa porte aussi, mais c'est normal. Il y en a qui la clenchent. Ah, oui, exact. Et ben moi j'ai donc barré la porte et je l'ai entendu dans la bouche d'un Québécois. Eh ben sur le coup, ça m'a pas surpris, parce que c'est une expression que j'utilise régulièrement, puis tout d'un coup j'ai mon cerveau qui fait. Hein? Attends, pourquoi il dit ça? Mais c'est une expression qui a dû traverser en fait l'Atlantique au moment de migration. Les Européens vers le Québec. Ah donc c'est pas une expression qu'il avait entendue et qu'il utilisait un peu en mode. Non, 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 c'était vraiment. Il m'a dit un peu long, quoi. Donc. Non, non, je pense que c'est une expression comme ça. Qui... Mais il y a beaucoup d'expressions comme ça que tu retrouves. Alors Marco, oui. Marco. On avait dit que j'arrêtais. Mais là j'ai vu un truc ouais. Qui ne m'allait pas trop. T'as plus de. Et coucou Daft. Daft, il a des belles ailes. Ouais. Du coup, on ferme la porte. Dans la Manche, on dit cléfé. Ah, cléfé. Cléfé. Ouais, du coup, ouais. C'est pour ça qu'il y a un F à clé. Pas mal. Bon, quitte à se barrer, je vous souhaite une bonne nuit à tous. Cette bonne nuit à alors du coup, est-ce que ça casse un peu le côté droit de la montagne? Un peu, mais... T'as vu une erreur? Comment? T'as vu une erreur? C'est pas une erreur, mais... Imagine faire ça ici sans être... C'est pas que j'ai vu une erreur, c'est qu'il y a une ligne, une crête en fait qui me plaît pas trop. Plaît moins. Mais tout est retravaillable en fait. Ouais, puis il faudra peut-être pourquoi attendre, et merci, Mimi, attendre la fin pour corriger voilà. Ce genre de truc, hein, pour voir... Non, c'est maintenant que ça se corrige. Ouais. Il me semblait qu'il y avait une commande... Yep, c'est fait. Non, mais bon. Après, vu d'ici, ça choquera pas du tout. Enfin, t'as raison aussi, Marco, faut attendre cette partie-là ici, c'est vrai. Mais c'est juste prolongement de la montagne. Ouf. Voilà. Puis là, pour l'instant, t'as juste la stone par rapport. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Après, là où c'est un peu plus là, peut-être c'est ici, mais ici on mettra des arbres. Donc ça, il y a des zones plates. Hein, c'est pas...
Là, ici, c'est un peu plat. Hein. C'est pas forcément cohérent. La montagne, c'est pas. C'est pas tout le temps pareil. Oui, oui, tout à fait. Non, mais c'est justement, c'est pas mal. Trop vouloir. En fait, à trop vouloir glisser, entre guillemets, elle va faire artificielle. Alors qu'on en descend avec justement des parties un peu plus saillantes, un peu plus. Voilà, elle sera peut-être noire. À vouloir faire parfait. Ouais. On fait artificiel. C'est un peu le syndrome de la vallée. Est-ce que c'est comme ça que ça s'appelle, non, j'ai un doute. La vallée de l'étrange, tu veux dire? Ouais, ouais. C'est pas exactement le même contexte, mais... Prêtez, moi, je me disais, mais où est-ce qu'il part avec son genre de... Non, mais c'est pas mal. Faudra continuer. On continuera ça samedi, tranquillement. Toute cette partie-là à faire. Une fois qu'on aura fait toute cette partie-là, on repassera par ici. La vallée dérangeante. Exact. Ou vallée de l'étrange. Voilà. Pardon. On va faire ça. Et puis, du coup, on verra. Moi, je pense que tranquillement, de mon côté, je vais continuer à faire les pistes. En fait, les pistes en créa, j'ai commencé à les tracer par ici. Et le sommet, donc c'était ça la bonne nouvelle pour Mimiche, le sommet, il est à 250 blocs de haut. Ok, il est ici. À peu près ici. Par contre, ce qui m'embête, c'est que la pente va être super raide pour descendre du côté du parc d'attractions. Parce qu'on va passer de 60 blocs de haut à 250. Ouais, ça m'embête un peu. Tu pourrais faire une falaise. Ah ouais, mais après, je sais pas comment ça va s'intégrer pour Daft, en fait. Ah oui. Parce qu'il est proche, en fait. Bah ouais, on est très proche. En fait, depuis le début, hein, on savait qu'on allait faire la montagne. Mais on savait pas à quelle hauteur. Et c'est la hauteur qui est... Après, ici, c'est quand même assez pentu, finalement. Et ça passe nickel. Mmh. Ouais, c'est assez pentu, quand même. Bon, allez, je screenshotise pour la rediff. Même si c'est pas très très joli, mais c'est pas grave. C'est pour illustrer. Mais c'est pas mal. Tu disais quoi, Mich? Tu raccroches au cœur de neige de prête, Oran. Ok, bah merci beaucoup. Que t'as fait toi, et puis j'en ai fait une et fini de remplir la deuxième. Donc Arsène Lapin, je sais... Oui, t'es déjà passé sur les streams. Et je précise qu'on a fait ça sur de longues années maintenant. Attends, j'avais pas vu tout ce béton là. Ah. Ah, j'avais oui, pas vu oui, tout ça. Des... Bah ouais, comme on Gribi nous fait des petites surprises. Mmh. Mais... Bon, je spoil. Hein. Et ouais, Gribi a fait sa petite entrée de bas de cave. C'est ça, ouais. J'ai vu. Ah ouais, et puis il a mis les émeraudes, tout ça. Ça, j'avais pas mais vu. Ça, on s'en fait un bouton en fait déjà. Ouais, mais je suis. En fait, après, les PNJ dont j'ai eu besoin, c'était pas ceux-là. Ah bah oui, c'est ça, ouais. En fait, celui-là, c'est du tout pour faire des émeraudes pour un chat. Yep. Très, très bien. Du coup, voilà, donc toute la montagne est artificielle. Elle commence à être sacrée grosse, cette montagne artificielle, quand même. T'imagines tout ça, là. Oh, pas sûr. Non, mais quand tu... Ouais, non, mais c'est... Quand tu vois qu'il n'y a pas... Quand tu dis qu'il n'y a pas un bloc de naturel... Il y en a quelques-uns, mais pas beaucoup. Ça va pas bien dans vos têtes, les gars. Vous êtes complètement zinzin. Hein. Ouais. Et là, c'est là que tu regrettes qu'on ait pas un peu plus de distance d'affichage, quoi.
cette zone est vraiment immense. C'est vrai qu'il n'y a pas grand chose de naturel ici. Là. Il n'y a rien de naturel en fait. Là. Vous avez testé au fait la map sur non. Minecraft Non, j'ai pas testé. Non, c'est vrai. Ouais, j'ai pas pris pas le temps. Bien, hein, sur mon PC. Enfin, c'était compliqué. Ah ouais, faudrait la passer à Grimmy, lui qui a racheté une carte graphique. RTX. Du tonnerre, une RTX. Ouais, faut qu'il nous fasse des beaux screenshots. Ouais, faudrait qu'il nous fasse ça. Ouais, même des belles cinématiques avec shader, tu sais. Ouais, yep. Sympa. Yep. Bon, après, il n'y a pas le replay matin. Non, mais ne serait-ce qu'un. Grimmy a fait un tout petit peu de vidéo, ne serait-ce qu'un simple traveling, tu vois, ouais. En spec. Bah oui, parce qu'en fait, quand t'as pas le replay mode et que tu veux faire des choses sympas, déjà tu te mets en mode. C'est quoi c'est... Ah, je vais pas activer le raccourci. Enfin, tu te mets en mode cinématique, et puis surtout après tu peux faire des. Juste des tra. Pardon, oui, faut pas que je. Juste des travelling comme ça. En mode spectateur, ouais, tu peux régler un peu la vitesse. Hop, voilà, par exemple, comme ça. Et une série de travelling comme ça. Après, tu coupes au montage, mais voilà, tu fais un travelling comme ça. Oui, voilà. Et déjà, ça fait des cinématiques très stylées avec un peu de montage. Hein. Au tout début des cinématiques de Minecraft, du coup, ils utilisaient deux comptes. Mais je n'avais pas le mode spectateur déjà. Yep. Et en fait, donc il plaçait le deuxième compte, il lui faisait un rail, et il faisait en sorte qu'il avance le plus lentement possible. Donc il mettait des toiles d'araignée. Des toiles d'araignée, puis il rajoutait d'autres trucs pour essayer que ce soit le plus lent possible, pour que ça fasse vraiment un travelling hyper lent. Surtout pour les timelapses, ouais, c'est. Ouais. Tu vois ce dont on dispose maintenant. C'est... Ah ouais, c'est clair. C'est fou. Ah oui, ils font bien. C'est fou. C'est vrai que oui, même rien qu'avec le système de spec et le mode cinématique, t'as même pas de niveau, quoi. Alors, du coup, ce soir, j'ai envie d'héberger Bill Silverlight qui est sur Planet Coaster. J'ai vu ça avant de lancer le stream et comme j'aime bien ce qu'il fait, je vais vous envoyer chez lui pour voir un petit peu de Planet Coaster. Ça promet d'être super sympa parce qu'il fait des trucs vraiment géniaux en termes de créatif. À Cali, de créativité. C'est trop tard pour skier les pistes de ski sont vraiment. Ouais, c'est encore fermé et puis surtout il n'y a pas tout ce qui est équipement de sécurité. Je te remontre à Calice, ici il faudra faire attention à la falaise. Voilà, bonne soirée à tous et on se retrouve samedi soir pour le prochain stream et je vous laisse en compagnie de Bill Silverlight. Bonne nuit, merci les copains d'avoir été avec moi en vocal. Ciao ciao.